soi. Et voilà, on est parti, c'est cool. Qui veut faire le récap de la dernière séance? Bah, le futur ex-célibataire. Bah, Pourquoi c'est toujours moi? En plus, j'ai pas pu prendre de notes parce que la dernière fois j'étais sur Lyon. Alors j'ai dû noter des trucs sur mon téléphone, mais c'est pas fou. Et je suis en train de chercher des trucs pour améliorer mon personnage, c'est pas le moment. Attendez, moi j'ai pas pris de notes et j'ai pas eu le temps de faire un résumé. Allez, on va le faire tous en cœur. Comment ça dégoûte? Non mais attendez, vous êtes pas encore rentré en ville là, on va se calmer. Alors. Et en plus, lors de la dernière séance, il l'a annoncé. Ah Non non, mais. c'est quoi? Enfin bon. La dernière séance, je vais vous faire le récapitulatif parce que sinon ça va me. Voilà. On a fait une chasse au trésor. Non! Oui. C'était Non! cool. C'était bien. Ouais. Mais non! La dernière séance, vous avez récupéré un gars. Il s'appelle. Je sais plus son nom. Que j'ai pas ma note sur le truc. Touk, 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 touk. Je vais avoir ma note dans 2 secondes. Hop. Vous avez récupéré Lorenzo. Et vous avez récupéré une sorcière vaudache des mains de Roberto. Roberto vous a dit, allez, salut, j'ai un mariage organisé. Et il s'est barré. Vous êtes au milieu des archipels de la Mouette. Est-ce que quelqu'un pourrait ping là à peu près où vous êtes? Alors attends. Non, vous êtes sur la carte là, normalement vous avez la carte de l'archipel de la Mouette, on est d'accord ou pas? Ouais, on était Je suis pas au de blé, Bouillet. non? Eh ben lancez, faites-moi des pings de là où vous êtes. Moi je sais où vous êtes exactement, mais je veux juste savoir où vous en souvenez. Non. Non. Attends. Parce qu'on avait récupéré des hommes requins, puis après on est allé chercher pour Vous avez récupérer la récupéré madame. ici, vous avez récupéré la madame, vous êtes monté aux hommes requins, Ouais. vous avez pourchassé Roberto, et vous êtes ici, au large du jet de Giotech. Ah oui, Il pour vous a les morts-vivants. attendu. Il vous a attendu. Vous avez négocié, Ah oui, enfin, c'est. Della a négocié avec Roberto, Oui. et en partant, il a dit qu'il allait organiser son mariage, vu qu'il reste que quelques jours à Delara. Pour lui trouver une fiancée. On a dit ok, c'est bon pour Oui. tout le monde, tout le monde a remis les trucs, la chasse au trésor, elle a lieu après. Mais voilà. Ah. Oui, je sais, c'est compliqué, mais il manquait des gens. Donc on a fait comme ça. D'accord, donc du coup, j'ai pas le loot. Vous pouvez considérer que vous les avez, je m'en fous. Enfin, honnêtement. Ah, églou, églou, églou. Voilà, mais pour ton mariage, ça sera pratique. La sacrée économie, quoi. Oui. Bon, pas forcément de bonne qualité, mais bon. Pour les mecs, tu sais, tu la sors à partir de 22h30 quand tout le monde est ivre. Ils C'est ça, voient plus la différence. c'est le but, c'est que ce soit de la qualité ou pas, de toute façon. J'ai vu un super vidéo rigolote là-dessus, tu vois. Où le mec, il a des bouteilles vides de grands crus. Et il dit non, mais moi, je les garde pour Noël à 23h quand tout le monde est bourré. Je lui dis, allez, exceptionnellement, vu que je vous aime bien. Et il transvase dedans du mauvais vin. Et il me dit, de toute façon, personne n'a jamais bu une bouteille à 200 balles, donc personne ne va critiquer. C'est pas faux. Mais de toute façon, au pire, il met de la damasque, personne remet. Wow. Oula! Alors fais gaffe avec la damasque, hein. Je connais même pas. C'est la meilleure bière. Perso, je suis allée acheter de l'alcool pour mon mariage, c'est pas de la damasque, quoi. Ouah! Aïe, J'en suis aïe, outré. aïe. En tout cas, vous êtes là et vous hésitiez à mettre. Vous aviez deux directions à prendre, vous hésitez, enfin trois. Vous avez l'île de Brie, mec, l'île où il y a des objets qui brillent. L'île de Giotech, où la nuit, il y a des gens qui viennent
et qui sont pas approuvés par Lyzen, ou l'île du Panfret, où les morts-vivants, ils sont la journée. Tapez. Donc, je veux savoir dans quelle direction les deux capitaines souhaitez-vous aller. Bagarre. Je me rappelle plus, on n'avait pas dit qu'on allait d'abord sur Primec, vu que c'était juste à côté. Non, Bagarre. On peut aller sur Brimec parce que c'est juste à côté. Moi, je veux juste que les gens soient d'accord. En fait, je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, t'as donné rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. N'importe quoi. Tout à fait. Non, moi, je suis sûr qu'on avait dit bagarre. Merci. On n'avait pas dit l'île qui brille. Non. Bah, il me semble que si. Hein. Bah, non, je crois bien. Ouais, on avait bien dit l'île qui brille. Il me semble. Donc, on va aller sur l'île qui brille. C'est une hallucination collective. Ah, il me semble qu'on avait dit l'île qui brille. Oh, mais t'inquiète pas, on ira à la bagarre après. Des Aizen, tu préfères aller voir des trucs qui brillent plutôt que de taper des morts vivants. Bah, en fait, on peut avoir des batteries. Tu vas déjà tu vas peser tes mots fort, sinon tu vas apprendre à voler. Je sais voler. Oui, mais pas de la manière dont moi je vais t'envoyer. Pas de la manière Aizen, si tu vois ce qu'on veut dire quand même. Attention, la manière Aizen, elle traverse les bateaux. Exactement. Ouais, exactement. C'est de manière non magique. Bah, de manière très naturelle. Il va utiliser uniquement les lois de la physique. De c'est son ça. Physique principalement, mais les lois de la physique. Ça reste les lois de la physique. Sur l'île de Brimec. Ouais. Et sur les îles de Brimec, en fait, les îles sont toutes petites. Et il y a un brin de sable qui réunit les deux. Et. Attendez, je réponds. Je suis un homme, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Et comme vous l'aviez repéré au loin, il y a beaucoup de choses qui brillent. Mais il y a beaucoup de cadavres. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est qu'un détail, les cadavres. Est-ce que vous l'avez sur cette île, non ? Oui. Bah oui, non. Oh, mais sinon, c'est plus. Eh ben, vous allez commencer à marcher sur cette île. Et clairement, le sol est jonché de sable. Et jonché de sable et de sortes de trésors et tout. Et parmi ces trucs-là, vous voyez que deux survivants sont allongés à demi nus sur le sable, à côté entourés d'objets qui brillent. Et vous pouvez en déduire facilement qu'il y a un homme, une femme, et que l'homme pique son meilleur ronflement de sa vie. Sur le sable, les pieds dans l'eau. Putain, moi aussi je l'avais dans la tête, c'est horrible. Bah. Oui. Alors, quand vous approchez et tout, des ronflements, vous y voyez Alexander et Gabriella. Qui, à 2 minutes, tapent leur plus grande sieste de leur vie. Bah alors. Ça prévient même pas, quoi. Après l'effort, le réconfort. Ouais. Une grosse partie de pêche. Ouais, de très très grosse, ouais. Ça fait tout gros. Coquinou, va. Et au moment où vous allez les réveiller, un peu gênés, ils vont vite... se rhabiller et Gabriella. Alors, un peu gêné, moi pas trop, hein, ils m'ont déjà dit. Oui, chaque fois que je me change, je me vois à poil. Je viens de comprendre. Gabriella, un peu gênée, du coup. Gabriella, oui, voilà. Va vous regarder, va changer, elle fait. C'est moi qui ai gagné, j'ai pêché une baleine. Moi, je viens. J'en étais sûr. Comment moi, ça je viens tout rouge. Fais voir. Je regarde Henry, je lui fais. Sérieux? Mais tiens avec les mains là. Ah ouais, mais vas-y, fais voir. Vas-y. Hein? Où ça, une baleine? Montre-moi ça. Que la baleine c'est pas Alexander. Ah non, c'était pas moi. Ah non, c'est pas non. Peut-être que je l'avais dit, pas de triche, c'était pas moi. Alors non, je dis pas que c'est de la triche, mais si Alexander s'est laissé pêcher. Non, du tout. Alors, non, pas de cette façon-là, en tout cas.
Ça, c'était après. C'était pour fêter ma vie. Oui, voilà. Voilà. Mais oh, j'ai que... gagné. Mais disons que... Oh. Disons que après ma victoire, on a voulu fêter ça. Et ma magie étant pas hyper stable, je me suis retrouvé là. Avec lui. Moi, je suis curieux de savoir comment tu t'en es pris. Tu t'y es pris pour pêcher une baleine. J'avoue que c'est bon. Pas commun, quoi. Non, mais la baleine, c'était pour rire. C'était pour la blague, hein, pour un mois. C'était pour la blague avec mon copain. Enfin, avec Alex. Enfin, avec Alexander. Ah, bon, mais c'est moi qui ai eu le plus grand poisson. Et tu vois, elle donne une taille à peu près approximative. Et en gros, vous voyez que ça s'est pas joué à grand chose entre les deux. Mm-hmm. Ouais. Vous avez tous fait mes tâches ménagères. Oui, bah après, on est 40 pour faire deux chambres. Je te regarde d'un air très sérieux, Alexander, et je dis: tu me déçois, Alexander. Et après, non, je rigole. Je suis déçu aussi. Mais je me suis rattrapé toute la nuit. Je veux pas le savoir, hein. Tu vas pas te rattraper toute la nuit avec mon nom, hein, gros. Bah, écoute, plus on est de fou, plus on rit. Hein, Gabriel. Donc, Francesca, c'est la première fois que tu vois cette dame, mais c'est pas la première fois que tu la vois. En tout cas, en plus, c'est pas la première fois qu'elle, elle te voit non plus. C'est la première fois que tu la vois, mais pas la première fois. Hein, non, mais tu l'as... Oui, déjà vu, non? Non, tu n'as jamais vu Gabriel, hein, je crois pas. Non, parce qu'elle se faisait, rare quand on allait chercher, quand on a sauvé la. Quand on l'a sauvée, quand... elle était là. Quand. Oui. Bah oui, je l'ai sauvée. Bah, je l'ai même sauvée, elle allait se faire égorger. Par Luck. Elle était. Oui, c'est bon. Bah, c'est bon. J'ai même récupéré les dagues de Luck et j'en ai appelé une no Luck. Oui, c'est bon. Excuse-moi, je savais plus, mais y'a pas de soucis. Bah, c'est Gabriella, elle est là. Et elle vous regarde, genre, bon, on peut rentrer avec vous, hein? Oui. Ouais. Oui. Ah bah, c'est sympa. Hein. Moi, est-ce que tu veux y rentrer en dos de baleine, mais... Bah, maintenant qu'elle est pêchée, je suis pas sûr qu'elle nage beaucoup. Elle va te regarder. Tu parlais de moi. Elle va te regarder. Je peux te vaucher autant qu'il veut, tu sais. Je veux pas savoir, je veux pas. What? Et vous faites quoi ici alors? Bon, on fait bon set. On était venu voir les trucs qui brillent, a priori. D'ailleurs, c'est quoi les trucs qui brillent autour? Et ben, vous voyez qu'en fait, sur la plupart des armures et sur des choses, des gens, enfin des objets qui sont morts, il y a systématiquement des pierres précieuses. Et toutes ces pierres précieuses, et bah mine de rien, elles brillent fort, elles paraissent non abîmées par le temps. Oui, mais il y a beaucoup trop de gens morts. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça me paraît pas une excellente idée d'essayer d'en ramener. Oui, je pense que l'appât du gain, c'est pas la meilleure des choses sur cette île. Alors, après, parce que de mémoire, l'île de Lox, l'île des hommes pieuvres, vu que c'est pas très loin, c'est peut-être là où ils jettent juste tous les cadavres des mecs qui sont bouffés aussi. Vu que Bananex, c'est littéralement le garde-manger des hommes requins de Saint-Nicolas, c'est peut-être un truc similaire. Tu prendrais le risque? Non. Mais... Au pire, qu'on peut faire, vous allez au large, je teste. Oui, ou je teste, ça me coûtera certainement moins cher que vous. Si tu veux. Attends, une fois que Robert va se sacrifier pour la cause, je propose après. Oui, mais toi, je suis revenu, je vais te taquiner. Pour faire tes trucs, non? De quoi? Il te faut pas des ombres pour faire tes trucs? Je...
Bah si, mais enfin, il y a des ondes partout. Je... Oui, c'est un du moment qu'il y a un peu de soleil, il y a de l'ombre. Oui. Pas besoin d'attendre la nuit, c'est la question. D'art, j'ai ramassé une pierre mal vibre. Mais quelle idée. Mais j'avais oublié que toi, tu ramassais des pièces sous les tables. Elle vibre un peu, regardez. Je vous montre un genre de rubis. Elle est belle, hein. Et en gros, quand elle est sur sa main, quand elle est posée sur sa main, effectivement, il y a des mouvements de vibration. Henry, Lara ? Oui ? Vous pouvez vous occuper de ce truc ? Complètement. Ouais, je connais bien les cailloux. Moi, j'ai pas de place dans mon coffre, si c'était ça l'insinuation. C'est la question. Bah, disons que j'ai peut-être un doppelganger dans mon coffre, quoi. J'aime bien le... J'ai ah. peut-être... Attends, il s'est passé tellement de trucs, là. Moi, je vous regarde avec des yeux ronds, là, je me remets pas de ma nuit, on parle de doppelganger. On a libéré Heinrich de... Ah, histoire. L'autre Heinrich. Ouais. Oui, je suis libéré, délivré. D'accord, Heinrich à la chaude-pisse, c'est de sa faute. De quoi ? Si Heinrich à la chaude-pisse, maintenant, ça sera de sa faute et pas la peau de quelqu'un d'autre. Oui, autre. Voilà, ça sera de. Au moins, je choisirai d'avoir la chaude-pisse. Oui, et puis après, si tu veux, tu demandes à ton copain Alexander de faire un petit coup de guérison et ça ira. Et puis hop, ça sera la froide-pisse. Voilà. Non, ça sera la matouche-pisse. La matouche-pisse. C'est Matouchka. Bon. Mais oui, le doppelganger, c'est réglé. Quand on va rentrer, il va falloir choisir le futur chef de la guilde. Moi, j'ai mon avis, mais il faut qu'on en discute. Oui. Non. Alors moi, j'avais voté sur lesquels. J'avais voté. Youhou. Youhou. Oui. Il y a un caillou qui vibre. Oui. C'est vrai que bon, il y a toujours ce caillou qui vibre. Oui, hein, mais on va le mettre dans la petite boîte, je vais l'étudier. Est-ce que quelqu'un... Oui. Mais je crois que la réponse est non. Vous savez, les longues vues pour voir si les objets sont magiques ou pas. Non, on n'a pas les mecs, on n'a plus de personnes qui sont... Mais il y avait moi, mais je suis un peu à Walpé, en fait. Oui, bon, voilà, quoi. Bah, si, t'as ton équipement. Si t'as la longue vue dans ton équipement, tu l'as. Là. Quand je dis que t'étais à Walp, t'as plus ton matos de pêche, y'a plus les cannes, vous avez pour... Ah oui, nos fringues et tout. Bah oui, ouais. Je l'ai la longue vue. Bah vos fringues, en tout cas, ouais, ils sont un petit tas à côté de vous, quoi. Oui, voilà. Après, est-ce que tu les as remis? Ça, c'est une autre question, quoi. Ah bah non. Bah, pourquoi les remettre? Quelle question. C'est bien mal de connaître, hein, mon cher. Ouais. Vivons bien, vivons tout nu. Exactement. Là, on est que au milieu de l'hiver, hein. Pour Alexander. Ouais, c'est... mais je suis que Usuran. Voilà. Oui, voilà. Mais vous voyez que la fourrure Usuran est plus sur Gabriela que sur Usuran. Lui, c'est sa fourrure naturelle. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a ses petits poils. C'est ça. Donc, est-ce que tu checkes le caillou? Bah, évidemment. Du coup, oui, je pensais que je l'avais pas. Mais... En fait, tu vois que chaque caillou sont liés les uns aux autres par couleur. Sur toute l'île, du coup. Sur toute l'île, ouais. Ok. Et tu t'aperçois qu'en fait, ça brille beaucoup, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Tu pourrais dire, Tu pourrais dire qu'il y a genre 10 réseaux. Avec il y a 6 couleurs, donc ça fait 60 cailloux. Ok, bah je vous donne les. L'île est petite et 60 cailloux, tu vois, ça va vite. Quoi. Oui, tu fais vite le tout. Après, c'est quand même, ça fait quand même 60 cailloux qui vibrent, quoi. Ouais. Bah après, ils vibrent tous ou seulement celui qui est là dans sa main. Bah c'est. Y a aucun caillou qui vibre à part celui qui est dans la main à Francesca. Mais je pense qu'à partir du moment où t'en prends un, il va pouvoir vibrer. Bah, je lui montre celui qui est lié avec celui qui est là, je lui demande de le choper. Bah, il y en a 10 autres, mais tu peux en prendre un autre. Bon, le plus proche. Et bah, au moment où tu vas l'arracher terre, tu vois que les deux cailloux vont, comme deux aimants, vont s'attirer l'un l'autre et vont presque fusionner. Bon, bah, c'est parti pour la collecte. Hein. Bon, bah, voilà, hein, chacun sa couleur.
On va faire un gros caillou. Alors, vous faites quoi? Là, j'ai besoin de choses précises, s'il vous plaît. Moi, je vais ramasser tous les cailloux rouges. Ok, donc tu vas partir pour chercher tous les cailloux rouges. Vous êtes une bonne idée, faire ça. J'aime bien cette couleur. Après, est-ce qu'il y a des fake cailloux? Je veux dire, est-ce que sans la longue vue, on peut se faire niquer? Non. Joseph, Delara, Robert, Enrich. Oh, moi, je touche pas. Moi, je prends les bleus, bien sûr. Pourquoi tu fais tous les bleus, ok, ouais. Enrich? Je vais ramasser tous les... J'aimerais en prendre un, mais l'étudier, quoi. Mais un petit ou l'ensemble des petits? Non, un petit, pas l'ensemble. L'ensemble, ils sont en train de tous les coller, là. Je vais me faire broyer la main pendant que je l'étudie. Ok, et Joseph? Moi, je vais prendre tous les cailloux d'une autre couleur. Ok. Eh ben, vous allez collecter vos cailloux, et effectivement, Francesca, ça va t'amuser, tu vois. À chaque fois que t'en prends un autre, ils s'additionnent et tout. Et vous allez à peu près finir les trois cailloux en même temps, et au moment où t'as fini votre caillou, en fait, le caillou va se briser, et Francesca, face à toi, une espèce d'énorme salamandre de feu qui va apparaître. Oh merde. Bon, ça va. Bah, on dit bonjour, déjà. Bonjour. Non, y'a pas de bonjour. On négocie pas avec les terroristes, bagarre. Mais est-ce qu'elle est agressive? Attends, non, mais... je termine parce que je te rappelle qu'il y a deux autres couleurs qui ont été tirées. Ah bah oui. Bah oui. Donc au niveau de la bleue, Robert, il y avait deux bleus. Il y a un bleu roi et un bleu clair. Bleu roi, bien sûr. Combat Pokémon. Oh. Moi c'est. Pas avoir ça la mèche carapuce. Ah moi si les mignons, je l'adopte. Donc là, Robert, tu te souviens de l'énorme poulpe qui était là face à vous la dernière fois? Ouais. Oh non, putain, pas lui! Et bah, il y a la taille à peu près humaine de 2m10 là face à toi. Et Joseph, t'as choisi quoi comme couleur? Il reste quoi comme couleur? Oh, celle que tu veux, tu peux inventer, je m'en fiche. Bah, elle est du vert. Hein. Ah, du vert! Non, mais c'est les Pokémon en fait. Mais c'est exactement ça, c'est exactement les Pokémon. Une fois que t'as assemblé tous tes trucs verts, tu vois. Il y a... Je peux vous le montrer en photo, celui-là, parce que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, le vert. Mais il y a une espèce de créature et de liane et d'épine qui va apparaître. Oh, c'est votre copain. Alors, si t'as moyen de me l'envoyer en MP, parce que sur le... Je vais le mettre sur le pont, je suis en train de scroll pour les récupérer. C'est votre copain, le monsieur Lyon. Je vous avais dit depuis tout à l'heure, tu veux bagarre, bah t'as bagarre. Bah ouais, non, mais pas bagarre contre des esprits de djinn, c'est chiant. Surtout mais que le vert, il craint que la magie. Mais tu précises pas. Mais ils sont peut-être pas méchants. Quoi? Pas méchants. Pardon. Non mais vas-y, fais un câlin, tu vas voir. D'accord. Il serre très fort. Bon, les enfants, maintenant ça suffit, hein. Mais... Vous avez joué avec vos cailloux, maintenant faut assumer. Ah ouais, de toute façon, on n'a plus le choix là maintenant. Ah non, mais moi je vous regarde. Je confirme, il n'y a plus le choix. Là. Vous allez sur une île que vous connaissez pas, vous jouez avec des cailloux. C'était beau. Ouais. Mais c'était rigolo. Ça brillait. Ouais, c'était rigolo, ouais. Mais maintenant, on va se marrer maintenant, tiens. Désolé, mais moi, voilà. Et d'ailleurs, petit truc, un point de risque, si je me mets en danger au nom de la quête du savoir, est-ce que ma curiosité, là, vaut le coup? Franchement, ouais, ça me... Vas-y, tu peux le faire. Bien joué. Allez, hop. Bien joué. C'est très, très... Ouais. Ah oui, il faut que je me mette au point de risque, moi, pour la partie que je sais pas. C'est un de mes travers d'être que c'est longtemps. Non, bah je n'arrive pas à remonter suffisamment haut pour voir la créature des plantes. Je vais essayer de la trouver. Attends, moi je sais comment on peut le trouver. Un message du capitaine. C'était le 3-10. Le 3-10, c'est-à-dire 3 octobre? Oui. Oui. Ah oui, en fait, je suis pas encore remonté assez haut.
Et tu sais, ben, tu devrais faire ta recherche. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah putain. Cool. Bah, tu peux la copier-coller, la mettre, s'il te plaît ? Oui, je suis en train. Merci beaucoup. Oh, ça va, il a l'air gentil. J'avais celui-là. Et celui-là. Je me suis trompé pour la salamandre. Ah. Ouais, parce que... Je me demande à quoi elle ressemble. Ça ressemble à ça. Oh, bon, ça a l'air gentil, ça va. Ah, ça a pas l'air très très gentil. Ouais, si, je me rappelle de lui. C'est lui que je tape. Je les aime bien, eux. Non, mais tu vas pas choisir qui tu tapes. Si. Ah non, hein. Ah non, non, non. Vous démerdez, moi, c'est lui que je tape. D'accord. C'est un esprit d'apparat. On fait ça, on va vous démerder. Donc, moi, je retourne sur le bateau et ciao. Non, mais le deuxième, c'est un esprit d'apparat. Ouais. Donc elle est belle, ma jambe. Mon bal, avant, elle était en bois. Le bois, ça brûle. C'est vrai que t'as récupéré ça. Ça c'était avant. Ça, ouais. C'était avant. Et le troisième, bah, c'est pour les gens qui ont pas joué à Baldur, je vous le montre, mais c'est Bob l'éponge. C'est Bob l'éponge, ouais. Bob le poulpe. C'est Poulpi. C'est Poulpix. Donc, Poséidon, Apharat et... je sais plus comment il s'appelle, le djinn de la souffrance. J'ai pas son nom, le djinn de la souffrance. On va l'appeler Poulpi. Oui, ce sera Poulpi. Ou Poulpix pour les intimes. Vous pouvez choisir maintenant, il n'y a pas de souci. Mais c'est au moment du mariage que vous l'aurez pour les gens. Je sais pas si vous avez vu, pour tout le monde, vous gagnez un point de caractéristique et tout, mais ce sera au moment du mariage. Donc, j'ai vu. Avant ça, il faut régler les problèmes actuels. C'est problèmes que vous causez maintenant. Alexander, on parle de caractéristiques, pas de compétences. Ah ouais, mais je confonds les deux à chaque fois, putain. Ouais, mais t'inquiète pas. Ok, bah je choisis. C'est plus fort, donc c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bon. C'est la bagarre. Ok, la donc les trois sont là, et à peine invoqués, ils vont pas franchement chercher à communiquer, et vont directement vous agresser. Sors. Voilà. Vous pouvez tous me faire une petite approche par rapport à ces trois gens. Savoir ce que vous voulez faire. Oh, je vais taper l'esprit d'Apharat, ma griffe fait plus de dégâts sur eux. Bacard. Donc tu vas foncer sur l'esprit d'Apharat pour lui tabasser la gueule ? Ouais. Ok. Ouais. Joseph. Étant donné que celui que j'ai invoqué ne craint que la magie et que je n'en fais pas, je vais partir sur le monsieur Poulpe. D'accord. Pour le taper. Ok, donc tu vas prendre ton sabre et tu vas essayer d'aller trancher du poulpe. Ouais. Ok. Francesca ? On est d'accord qu'on a du sable à nos pieds. Du sable à terre. Vous avez une sorte de sable. Je sais pas si c'est du sable fin ou de la poussière d'os ou un savant mélange des deux. Bah, je ramasse du sable à terre, je lui jette sur la gueule et je m'en vais en courant. C'est du génie. Je m'en vais même vers Henrich du coup. C'est des esprits. Allez. Ok, parfait. Je veux juste te dire un truc. Parce que tu as invoqué le rouge, je vais te mettre le rouge en gros. Mais c'est triste, c'est le seul qui n'a pas d'yeux. Oh non. C'est très con. Mais il y a un feu et du coup je me dis peut-être du sable ça va le gêner, tu vois. Ouais, non mais clairement. En fait, si ça chauffe suffisamment, ça va se transformer en verre, ça sera nickel. Je pourrais en faire un verre. Ça va aller. Pas de fatigue. Non, ma rencontre avec Francesca, c'est quelque chose quand même. Elle m'a vu à poil, je l'ai vu lancer du sable sur un vil. Bon, on va bien, il n'y a pas d'œil en plus. J'ai pas eu le temps de voir qu'il n'y avait pas d'yeux.
sur toi que tu l'as lancé le seum, en fait. De toute façon, la première personne du groupe que Francesca a rencontré, c'est Heinrich qui lui a atterri dessus parce qu'il a été tiré par un boulet de canon. Enfin... Ouais, mais ça va, ça s'est bien passé. Hein. Ah oui. C'est ça le premier contact qu'elle a eu avec notre groupe. Hein. Mais c'est pour ça, il m'a sauvé une fois. Le premier contact, c'était mon épaule. J'ai pas su prendre à ma défense. Sauf que l'une des épaules est... Bon, a traversé un bateau. Oui, oui. C'est pour ça qu'elle a pas eu si mal. La coque a quand même amorti. Ouais. Super bien. Pas sûr que ce soit la coque qui a amorti, mais bon. Bon, je vais aller défoncer là le rouge. De toute façon, plus vite on les élimine, plus vite on va rentrer. Parce que c'est bon, ça me saoule. Robert, donc il y a Heinrich et Delara qui sont sur le rouge. Heinrich, ouais. Tu vas à l'épée, j'imagine ? Bien sûr. Ok. Robert, un air de déjà vu. Hein ? Ouais, un air de déjà vu. Tu te souviens bien du verre ? Ouais. C'est pas le moment d'enlever tes vêtements. Non, effectivement. Juste me concentrer sur le verre, regarder à droite dans les non mais ça marche les yeux. C'est sûr qu'il y a des yeux celui-là. Je peux finir, s'il te plaît. Pardon, mais pardon. Je vais dépenser un point d'héroïsme et lui faire un grand sourire. Ok. Ton truc sourire des armes. Ouais, c'est ça. Et comment je vais m'approcher de lui. Oh, très cher ami. C'est bien de voir un peu de verdure dans cette là, je suis désolé. Il va te cracher à la gueule. Ok. Ah bien, très bien. J'espère que c'est une chanson japonaise. Yamato. Yamato Kudasai. Et toi, Alexander, tu fais quoi? T'as peut-être plus la tenue que Robert pour faire ce genre de montage, mais... Ouais. En faisant des petits mouvements un peu tendancieux, tu vois, je roule un peu du cul. Attends. Pour l'instant, on a Heinrich, Francesca, à moitié, Delara sur le rouge, on a Robert sur le vert, et MJ Tips, n'y allez pas, et on a Joseph sur le mec, le poulpe man. N'y allez pas sur quoi? Sur le verre? Oui. Ouais. Ouais, mais le verre, il fait pas envie avec ses tentacules. Mais ça gâcherait, en fait, ça gâcherait complètement l'action de Robert. Ah oui, bah oui, c'est pour ça, puisqu'il a utilisé son point héroïque et tout. Voilà, c'est ça. Et en plus, il craint pas les heures. Ouais, c'est un truc magique. Musique de temps. Il y a un truc que j'avais, c'était... Alors, il y a qui attaque quoi? Il y a qui est tout seul sur le poulpe? Moi, je suis tout seul sur le poulpe. Joseph est tout seul sur le poulpe. Et tu fais quoi? Tu vas lui foncer dessus? Ah oui, moi je le tabasse. Hein. Moi je suis parti faire du sashimi. Hein. Alors, pour le coup, tu es plutôt parti faire des takoyaki. Oui, des takoyaki plutôt. Ok. J'aime bien la précision du groupe. On a... je vais rejoindre Joseph, je vais essayer de tirer sur un point sensible du pool, donc œil. Tu veux tirer à quoi, tuer Joseph. Lui lancer des haches, lui tirer à l'arbalète. Non, ce sera du tir à l'arbalète, j'ai pas envie d'aller chercher ma hache. Okay. Flemme. Ouais, flemme. Tu vois que avant de partir, il y a Gabriella qui va te saisir par le col et avant que tu tires, elle va t'embrasser. Oh, tu sais, mignon. Oh. Bah, tu sais quoi, je comptais faire un truc, bah, juste parce qu'elle a fait ça, je vais pas le faire et je vais vraiment tirer. ce que je voulais faire. Juste par rapport à ça, bah, je vais vraiment tirer du coup.
Ouh, elle me rend chose. Elle me rend peu chose. Quelle indignité. Ouais, quelle indignité. Ouais. Je me mute un petit instant. Merci beaucoup. Bah. Follow Cosm. Mais t'as compris du coup. Ça m'a galvanisé là. Vous avez eu la même idée en fait. Ah, c'est bon. Ah merde. Ben voilà. Donc, là, Alexandre, dans le slip, ça fait ça. Alors, Heinrich. Ah ouais, non, exactement. Heinrich, je vous dis de faire vos jets, vous comptez vos mises, s'il vous plaît. Heinrich, ça sera arme blanche, force. Avec ton arme, Alexander, ça sera. Un tir finesse, je suppose. Ou un tir finesse, exactement, avec tes différents boosts que t'as. Si vous avez systématiquement 2 dés de brio. Alexander, tu vas être béni par. Tu vas être béni de recevoir une bénédiction Vodach de la part de Gabriella. Et en fait, à partir de maintenant et pour toute la scène, tu as 4 mises que tu pourras mettre quand tu veux. Putain. Donc je peux lancer mes rôles et décider quand je mets les mises. En fait, tu vas lancer tes dés, tu auras un nombre de mises. Et tu en auras 4 autres que tu pourras soit ajouter, soit quand tu veux. Oh, trop bien. Oui, c'est très fort. Robert, tu peux faire un jet de panache et la stat sociale que tu veux. Hein. Après tout, tu baratines un mec qui fait de liane. Donc, pas trop. Si tu peux vraiment le suborner ou si tu peux faire autre chose. Des Lara, ça sera la finesse bagarre. 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 Joseph, ça sera. Arme blanche force. Arme blanche force. Je sais pas exactement ta feuille de perso. Toi qui choisis. De force. Ok, ou finesse. Ouais, non, bah ça sera force. Et arme blanche. Et Francesca, ça sera de la dextérité. Enfin, de la finesse. Attends. Je viens de voir un truc. Ouais, bien sûr. Il faut juste que tu décrives une scène qui fait la même chose que... Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Bah du coup, j'étais en train de courir et puis vers Heinrich et Delara. Et je leur fais à tous les deux un petit bisou sur la joue et je leur dis bonne chance. Merci. Et donc... Alors, il faut que tu dises combien de mises tu veux leur donner. Et ça sera le nombre de... Alors. Je sais pas trop comment ça marche, vu que c'est la première fois que je fais ça... Eh ben alors, je vais t'expliquer, tu peux donner le nombre que tu veux. Le souci, c'est que plus t'en donnes, plus ça va te faire de dégâts. Ouais. D'accord. Donc, moi je te conseille par exemple 4, c'est bien, 4. Okay. Ça peut aller de combien à combien, par exemple? 18. De 1 à 70. Oh ah oui, mais tu vas te faire one shot, sérieux. Mais à 70, t'es mort. Ah oui, oui, oui. Bah oui, tu te fais mon shot à 70. Voilà. Non, mais comme tu dis, 4 c'est bien. 4 c'est pas mal. Et après, tu répartis comme tu veux. Donc, soit 2 Heinrich, 2 Adelara, soit 3, 1, c'est toi qui choisis. Oui, bah 2 et 2. Bah t'as 9 mises, Delara. Ok. Parce qu'elle est venue, elle t'a fait un petit bisou. Et Heinrich, tu rajoutes 2 mises aussi. Ok. Vous voyez que. Son bisou, il est plus balèze que... Oh, j'ai encore fait un 10. Non, tu n'as pas 2 dés. Tu as 2 mises. Ah, 2 mises. Ah, d'accord. Ah oui, bah, c'est bon. J'ai zut, pas besoin. Que c'est mieux, c'est 2 10. Alors moi, avec les mises et tout, je commence seulement à essayer. Oui, c'est mieux, en fait. J'essaie encore mieux, de comprendre. En fait. C'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu encore débutante en jeu de rôle. Pas de soucis. Je m'en occupe. Je dois faire un jeu de dés, du coup. Alors, toi, tu vas me faire un jet de finesse athlétisme, qui est le lancer de trucs, courir, faire ta petite blagounette. Voilà. Athlétisme ou tir, si t'as tir, choisis. Tir finesse, du coup, c'est ça? Tir finesse, ouais, y'a pas de soucis. Ok. Et
Et je te fais ton jet, excuse-moi Alexander. Tac, non, tac, non, y'a pas de soucis, je suis en train de regarder. Alexander, il est là. Normalement, j'ai bah, un bonus pour tireur d'élite. Est-ce que j'ai un bonus pour premier lancer de la session, je peux vous dire. Oui, oui, je te mets les bonus, je te mets les bonus. Parce que là, ton jet de tir, c'est pour savoir si tu vises bien la joue. Non, c'est pour savoir si il vise bien le poulpe. Oui, le poulpe. Oh un. Ah, dommage, les derniers dés. Il avait un bon poule au début. Mais il va relancer un 1. Normalement, j'ai, je crois que j'ai les... Je sais si les 10 ou le tir. Ah. Je te jure pour mec. Par contre, attends, je sais plus, t'as 4 en tir ou pas? Ouais, je crois. Oui, oui. Oui, t'as 4 en tir. Putain, ouais. Quelqu'un peut m'aider à compter? Ouais. Ok. Alors. Les 15, ça fait 2. 4. J'en vois 8 déjà. Après, faut bien calculer, mais j'en vois 8. Je vais le prendre deux secondes. Merci. Je fais un truc de règle, hop là. Ouais, malheureusement le 7 on peut pas en faire grand chose. Mais ça fait 8. Donc il a 8 il a 8 mises, Henrich. Pareil, je suis à 8 mises avec le bonus de Francesca, je suis à 10. Elle a 10 mises et Delara elle a 12 mises. Ok. La bagarre. Voir de la bagarre. La team bagarre est dans la place. Joseph, désolé de te demander, t'as combien de mises? 2. Ouais, ça en fait, j'aurais dû aller aider. Bah, j'ai fait un lancer de merde. Et puis en plus, avec ma... j'ai relancé un 1 qui m'a redonné un 1. 1. Ah mais t'as oublié tes 2 dés de bonus quand même de brio. Ah pardon, j'avais pas entendu qu'il y avait 2 dés de bonus de brio. Voire 3 si, la première... si c'est ton premier jet de la séance et il me semble que ça l'est. Oui, ah, c'est oui. Le premier jet de la séance. Bah ça me fait 3. Et peut-être 4. Faut que je retrouve mon jet. Bah je t'accorde ton 4, y'a pas de problème. Ok. Alors, les gros bourrins qui agissent en 10, 12, machin, on va... le combat va être très très rapide, l'esprit d'Afarat va dépop. Avec l'esprit d'Afarat est fait, moi je me retourne sur celui de... Le vert. On va voir. J'ai une vengeance. Alors Robert, tu as combien de mises? Moi j'en ai 4. Ok. Donc... 4, Joseph 4, Francesca pas beaucoup, 2, on va dire 3 parce que c'est un mec sympa et que t'as oublié de mettre tes débrios. Ouais, c'est ça. On va dire 4, comme ça t'es dans le pool de tous les gens qui font pas la bagarre. Et donc on a les 3 qui sont en bas et les 3 qui sont en haut. Ok, pour les gens, Henrich et Delara. Ouais. En gros, par rapport à votre truc, vous allez vous retrouver à 8 mises tous les deux. Et l'esprit d'Afarat va juste être absorbé par la griffe de Delara. Let's go! Henrich, le seul truc que tu peux voir, c'est que la griffe de Delara semble faire très très mal à cet esprit. Ouais, c'est comment ils appellent ça?
Merde, j'ai pas le nom. C'est saloperie d'esprit d'Afarat. Non, j'allais dire, c'est pour faire joli, quoi. C'est bon, je sais que c'est moi qui lui ai fait le plus mal. Ah bah, évidemment, oui. T'es persuadé d'avoir découpé beaucoup plus que elle, mais tu peux, voilà, tu sais qu'en tout cas sur l'esprit d'Afarat, ça fait énormément de dégâts. Ça sera pas du tout le cas. Je sais pas ce qu'elle va taper après avec les autres, si elle va taper des griffes. Ça sera pas du tout le cas pour... Ça sera pas du tout vrai pour les autres. Ouais, bon, moi par contre je partirai sur Poulpi, hein. J'irai pas sur la liane. Bah okay. Non, la liane, les dégâts physiques, ça marche pas. Oui. Donc vous allez descendre et tout ça. Alexander, tu tapais sur qui, toi? Tu tapais sur Poulpi aussi. Sur Poulpi, j'ai des... Joseph. Quoi? J'ai des Joseph. Tapais sur le même que Joseph. Oui, j'ai bu. Ah oui. Non, pas moi. Attends, non, mais j'ai un fils qui vient. Oui, je termine là et je remplis la bouteille d'eau, d'accord? Voilà, on fait ça. Tu tapes sur le même que Joseph, donc tu tires à la hache? Non, à l'arbalète. Tu tires à l'arbalète. Joseph, en fait, avant que tu arrives sur lui, tu vois que le poulpe, il s'est pris peut-être 5-6 carreaux dans le corps. Ah oui, d'accord. Tu sais pas. 47, trop... Alexander. Je sais pas trop comment Alexander a fait, mais waouh. Alors, par contre, à contrario, bah il est encore bien debout, quoi. Mais ouais, il s'est pris énormément de. Ah bah okay. Dis donc, il est rapide. Ouais. Il est plutôt rapide. Ouais. Il t'a fait le tracé pour la découpe. C'est ça. Bah, en vrai, La suite de l'action, ça sera plutôt simple, vu que Henry, Joseph et Alexander, vous allez taper sur cet esprit-là. Ça va lui faire des dégâts. Le seul truc qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de contrôler mentalement Henry. Oh, le salaud. Ouais. Salaud. Il sait que c'est moi le plus fort. Attention, si t'es contrôlé mentalement, il t'a vu découper un gars. Pour prendre contrôle de l'esprit de quelqu'un, il faut qu'il en ait un en premier lieu. Alors on est d'accord. C'est pour ça qu'il a dit essayer. Ouais, et vu que je suis con comme un balai, c'est pas possible. Voilà. Alors Henrich, malgré le fait que tu sois con comme un balai, je vais te demander de faire un jet. Oui. C'est le jet pour savoir s'il contrôle le balai ou pas. C'est vraiment con ou pas. Alors tu mets tes mains autour du manche. Tu vas me faire un jet de résolution persuasion. Oh, ok. Il me faut 3 mises de réussite. Allez Henry, courage. 3 mises, j'ai 4 dés. Hein. On peut pas utiliser un point d'héroïsme pour lui en donner un de plus de dés? On peut lui en donner plus que 1, mais oui, ouais, vous pouvez. Bah, je dépense un point d'héroïsme pour donner des dés à Heinrich. Eh bah, tu lui donnes 3 dés supplémentaires. Ah. Du coup, ça devrait aller, merci beaucoup. Bah, tu as combien en persuasion? J'ai 1. Ah, t'as bien de la chance, ça fait que c'est tous les 10 et pas tous les 15. Ouais. Non, mais c'est un balai, entendu. C'est un balai. Allez, c'est parti. Bon, ça devrait aller. Ah, oui. Ça va. Donc tu vois que tu sens qu'il a failli te contrôler mentalement, tu vois. Et il y a Joseph qui m'a fait une prière en allemand. Ça a bah, ouais, Joseph, il a vu le truc, tu vois, et il a su lui taper dans la bouche au il bon moment. Il a counter prière. Non, non, il a counter voilà. Spell, si vous voulez. Il a counter spell, si vous voulez. En tout cas, ça se passe plutôt bien, Robert. Le mec face à toi, comme tu le sais avec ton pouvoir, bah il va pas pouvoir faire d'action violente. Il va quand même planter toutes ses lianes dans le sol. Et vous allez voir les lianes qui vont partir un peu partout. Tchac, tchac, tchac. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Francesca, bah, tu as eu le temps de leur faire leur bisou. T'as vu les deux bourrins partir. Oui. Et clairement, tu regrettes pas. Pour toi, c'est grâce à toi s'ils l'ont démontré comme ça. Vraiment, t'avais tout vu. La puissance. De mon petit bisou. Non, non, c'est ton lancer de sable au début, ça. Ouais, en vrai, c'est très très fort, le petit bisou. Ah, je crois que c'est fort, le bisou. Oui, c'est fort, c'est grave. Mais voilà, t'as utilisé un point d'héroïsme quand même pour ça. Tu t'avais gagné
Bon, c'est pas grave, je vais gagner tout ça. C'est pas très grave. Mais voilà, tu as fait quand même ça. Et à la fin du combat, je te dirai comment tu voudras payer ta dette. Mais voilà. Donc Robert et Delara, vous êtes face au mec tout vert. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Taper ! Ah, moi, j'essayais de le... de le convaincre que c'était pas franchement une bonne idée de rester là, vu l'état dans lequel... Le massacre sur les eaux. Ils sont en train de finir ses compagnons, on va dire. Ok. Et toi, Delara, quand tu dis taper vengeance, tu fais quoi ? Bah, je le tape avec la griffe. Si ça marche pas, je switcherai avec avec ma magie. Ça marchera pas. Bah, châtiment. Ça, je sais que ça va me faire mal. En vrai, ça fait un peu plaisir quand même. Tu vois ? Non, mais la façon dont elle l'a dit, on dirait que ça lui fait un peu plaisir quand même. Bah, ah, je sais que ça va. Tu vois, Robert, tu vas essayer de parlementer avec lui, et là, tu vas voir Delara qui va essayer de le griffer à coups de griffe. Et bah, comme la dernière fois que t'as vu quelqu'un qui se bat contre ce tas de lianes, ça fait pas grand chose. Ça coupe des griffes, mais ça coupe des lianes, mais les lianes repoussent. Et la créature semble ne pas vraiment ressentir la douleur liée avec cela. Et t'es là, t'es en train de parlementer avec lui, et tu penses qu'il te répond. Mais bon, ça parle pas beaucoup, hein. Et ça parle tout. Bon. Et Delara va viser un châtiment. Et en gros, le châtiment, ça va faire que en dessous de la créature, il va avoir un grand cercle d'ombre. Et il va avoir des tentacules qui vont sortir sur lui. Ça va faire un combat de tentacules contre tentacules. Et ça va lui faire quelques dégâts. Mais voilà. Tu sais qu'il est blessé. Après, c'est dur à estimer les dégâts qu'il a reçus. Delara a des ailes d'ombre qui ont poussé dans son dos. Oh non, pas encore. Je vous demande à tous. Ça fait plus le phare breton. C'est déjà ça. Ouais, je vous demande à tous de monter un petit descend et faire plus que 80. T'en demandes un peu beaucoup, je trouve quand même. Ouais, je pense que t'es un peu gourmand là. Oh non. Ah, nickel. Voilà. Nickel. Franchement, Robert, c'est oh Joseph. Bien joué. Bravo, Joseph. Je vais lancer un descend, moi aussi. Oui, bah, je vais lancer un descend, ouais. Allez, hop. Faire plus de 80. Ah, yes. Donc, on a une seule personne qui a fait plus... Enfin, deux personnes qui ont fait plus de 50. Pas mal. Attends, Alexandre... je vais m'aider. Attends. Ouais. Putain. Je sais pas ce qui se passe, on faisait pas un score assez haut, mais en tout cas ça pue un peu pour Robert. Non, en fait c'est que tu vas voir un truc, et tu seras le seul à le voir. Un des shows. Ah. Ouais, pas mal. Bah ouais, je moi je vois bien, moi. Moi je vois bien. Bien franchement, gardez ces jets comme ça, vous aurez sauvé le Julien. Hein. Moi je dis ça... Tu peux arrêter de dire des trucs qui font mal, s'il te plaît. Voilà, j'y étais pas, mais même moi ça me fait mal d'entendre ça. Hein. Ouais, t'as vu comment il tacle ça, là. En tout cas. Ouais, il tire un balle réel. Hein. En tout cas, ce que tu vois, c'est que l'esprit, malgré le fait qu'il te fasse blesser, les lianes qui l'a planté dans le sol, ils sont là pour réassembler. Réassembler une autre gemme. Ah non, non, non Oh. Non, non, je vois ça, je l'ai préviens. Et Voilà, vous êtes prévenu. Y'a qui est là pour rassembler notre gemme là ? Le monstre, le monstre de plantes. Laquelle de gemme ? Le monstre vert et tout, et il est en train de faire une gemme de couleur jaune. Oh non, 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 pas jaune ! Non ! Alors, je cours sur une autre pierre couleur jaune qui n'est pas encore assemblée, et je cours avec en la gardant bien entre mes mains. Et en fuyant le plus possible la créature verte. Ouais, je vois, y a pas de problème. Donc tu ramasses. Alors tu sens qu'il y a une grosse force d'attraction, tu vois, sur ta pierre. Putain, tu sens qu'elle a envie de rejoindre les autres.
Mange-la. Et non, je déconne. Mange-la pas. Mets là dans un endroit qui a ouvert propre. Moi, je l'aurais peut-être mangé, moi. J'avoue. Mets-lui dans le cul. Mets-lui dans le cul. Dans ton slip. En tout cas, Delara, tu fais quoi? Je vais t'envoyer un message. Y a pas de question. Bah si. Il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Ça veut pas dire qu'il y a une question. voilà, c'est littéralement ce qui se passe avec moi là. Bah, j'ai pas compris. Bah, pour faire venir quelqu'un, on est d'accord. Non, ouais, mais non. Oh. Abou. Ah non, Abou, c'est dans un autre jeu. J'ai plus. Et il est si fort. Ouais, il est si fort. Il les a rassemblés déjà, les autres gemmes jaunes, ou pas? Bah en tout cas, il en a rassemblé pas mal, et tu dirais qu'il en manque une ou deux. Et s'il en manque une, qu'il y a Joseph qui l'a, je peux peut-être choper l'autre. Et bah tu peux essayer peut-être de choper l'autre, pas de soucis. Fais-moi... tu vas claquer tes actions et tu vas récupérer le dernier truc. Joseph, tu vois, t'étais en duel avec le Manflayer, mais... Bah t'es parti précipitamment chercher les gemmes jaunes. Et Heinrich et Alexander, vous avez terminé le travail. Vous voyez que Francesca, elle prend de la poudre noire d'un fusil, elle la balance sur la créature verte et elle lui balance un flambeau à la gueule. Et il commence à brûler un peu et il a l'air de douiller de l'idée, tu vois. Ah, c'est une bonne idée, ça. Depuis le début, on se fait chier, il faisait de la magie alors que juste une simple torche là, ça le tue. Mais peut-être que sa poudre est spéciale. Ah, parce que ce que Delara, et les gens qui ont déjà affronté ont oublié de vous dire, c'est qu'il est insensible aux dégâts physiques, mais pas les feux. Si, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que t'as non, dit. Non, mais... t'as dit qu'il est sensible à la magie. Il est insensible aux armes, il faut le taper à la magie, j'ai dit. Voilà, c'est ça. Et en fait, le feu, c'est pas une arme. Ouais, et c'est vrai. Ouais, mais c'est pas de la magie. Ouais, j'ai oublié. On est d'accord. Bon, bah, je le savais même pas, et voilà. Et t'as trop bien, Jérémy. Mais toi, t'as vu une plante. Le talent. Voilà. Bah, c'est ça, moi, dans ma tête, c'est plante, feu. Mmh. Non. Tu es une sorcière vedette, tu as vu l'avenir et tu le savais quand même. Et tu le savais. Bah, je le savais. Exactement. C'était écrit. Et la plante a l'air bien, bien mal. Delara, Joseph, la pierre que vous avez dans les mains, l'attraction est très, très forte. Je vais tous les deux vous demander de me faire un jet de force plus athlétisme. Moi, je voulais la jeter dans le monde des ombres, la mienne. Alors, tu peux essayer de faire ça. Mais Joseph, quand même. Je vais essayer de faire ça. Bonus, malus. Je vais faire un jet de force plus jet. Delara. Quoi? De tir. Ouais, de tir, ouais. Et Joseph, tu vas me faire un jet de... D'athlétisme. Et vous avez tous les deux de brio. Il me faudrait au minimum 3 à 4 succès chacun. J'en ai 3. Ah non, j'en ai 2. Je vais utiliser mon dernier point d'héroïsme pour. Je peux le faire maintenant, même si c'est trop tard, même si j'ai déjà lancé les dés pour me rajouter moi-même des dés. Oui, c'est trop tard. Ouais, bah tant pis. Si je vois qu'il va être attiré ou qu'il va lâcher la pierre, je vais me mettre entre les deux. J'essaye d'intercepter Joseph ou la pierre. Non, l'autre. En tout cas, en fait, ce que vous voyez, c'est que vos pierres sont attirées et l'esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il a lâché sa pierre et c'est l'énorme pierre qui vous fonce dessus. Et en gros, Delara, tu vas pour balancer ta pierre. Et en fait, l'énorme pierre va taper dans ton caillou. Ça va pas aller dans le monde des ombres. Ça va foncer sur Joseph. Joseph, tu vas te prendre. Delara, je peux pas plaquer Joseph pour l'éviter qu'il prenne la pierre dans la gueule. Ouais, on peut rien faire, non. Si vous claquez un point d'héroïsme, vous pouvez agir. Je voulais faire quelque chose qui me demande un point héroïque.
John, est-ce que je peux invoquer un portail sur la trajectoire de la grosse pierre? C'est là qu'il y a un point d'héroïsme et que tu fais un portail, oui, tu peux. Ok, bah je fais ça. Ah, bon. Ok. Donc bah vous avez Robert qui va ouvrir un portail de sang et vous allez voir le caillou qui va passer à travers et bah il sort pas de l'autre côté quoi. Non mais moi je vais t'appeler Docteur Strange maintenant. C'est bien Wesh, c'est bien Wesh. Bonjour. Bravo. Out. Et Joseph, t'as ton caillou et au moment où le reste est rentré dans le portail de sang, tu vas attendre 10 secondes et il va tomber en poussière dans tes mains. Ah bah voilà. Vous voyez que Francesca, pendant que vous étiez contre les pierres, elle a pris des espèces de grandes feuilles de palmier et elle attise les flammes qu'elle a créées pour... Bah que ce truc devienne des brasiers. Et il t'a mené, hein, désolé, en plus. Bon, alors dans ce cas-là, moi je vais prendre ma gourde, je vais marquer alcool. Ah oui. Je vais en verser. Vas-y. Et bah, dans la gueule. Et bah clairement, tu vois, quand tu vas lancer l'alcool et ce genre de choses, tu vois que ça va continuer à l'embrasement. Et jusqu'au moment où bah, la créature de plante en fait va tomber en un teint de bois mort, quoi, complètement cramé. Ouais. La seule chose que vous pouvez remarquer, c'est que Delara vient sur le cadavre du poulpe, lui plante la griffe dans le bide et le poulpe va disparaître. Hop là, ça c'est pour moi. Et pareil pour la plante une fois qu'elle a brûlé. Hop là, ça c'est pour moi. Delara, l'aspirateur. Là, il reste rien, hein. T'aurais pas dit. Delara, attrape. T'as pas dû l'appeler la griffe. Allez, cette plage, allez hop. Ah ouais non mais les jaunes, je pense que les jaunes ça aurait été un doppelganger. Chiant. Oh bah ça va. Ouais. Henry, c'est hyper. Moi j'aurais bien aimé le voir mon doppelganger. Il reste 4 couleurs de gemmes sur le sable. C'est bon, bah, on va pas y toucher hein. Alors, je vous rappelle. J'ai toujours un portail ouvert. Je vous propose. Ah. C'est qu'on s'en débarrasse dans le portail. On jette dans le portail. Je veux bien. Oui. Parce que bon, laisser ça comme ça quand même, c'est un peu dangereux. Vous allez détruire l'ensemble des gemmes ? Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. Attendez, j'ai une question. Par rapport à cette histoire de djinn, de trucs comme ça. Oui. Il n'y a pas une question d'équilibre à respecter? Parce que si on détruit les gemmes, ça va pas rompre une espèce d'équilibre? Non. Si on les détruit tous, il n'y aura plus d'équilibre. Bah, c'est le problème. Non, t'inquiète. Il y aura toujours équilibré. Sais... Ce que tu sais, c'est qu'en fait, l'équilibre, il est entre. Les anges et les djinns. Et les anges ont pas beaucoup de suivants, ils ont une cour mais qui est un peu restreinte. Là où les djinns, en fait, ils vont mettre des esprits un peu partout, qui sont moins balèzes. Et là, c'est des esprits de djinns que vous avez. Ok. Pas vraiment de danger à les tuer. Ouais, non, voilà, c'est pour ça que je demande. Ah. Le danger, c'est la poubelle. Le danger, c'est de réussir à les tuer, si tu veux. Mais ça cassera pas un truc. Le seul souci, ouais. C'est si quand vous assemblez les pierres, c'est pas un esprit de djinn, bon, y a une calèche aura qui va se faire engueuler. Oui. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble les djinns devant le portail. Enfin, on assemble les pierres devant le portail. Et on les pousse. On les pousse. Et comme ça, après, moi, je peux les récupérer. Mais c'est une super idée, Robert. J'adore. Si c'est un djinn, on demande à Henrich de faire un... Comment ? De faire un Tizi Sparta. Ça, je sais faire. Donc, il est franc Tizi Saizen et en avant. Moi, je suis trop d'accord avec ça. En plus, ça nourrit ma déesse. Non, mais Della, je pense pas que si on les pousse dans le portail, tu récupères leur âme ou quoi. Hein. Non, je crois pas, non. Oh. Ouais, le plan, c'est on les pousse juste dans le portail. Hein. Ouais, je suis juste d'accord avec eux, hein. Je vois pas comment tu nourris ta. Je sais pas, t'as dit qu'après la poussière, enfin la pierre est revenue en poussière. Donc, je pensais que le cadavre va retomber après. Bon, allez, on est parti dans l'optique qu'il fallait nettoyer la plage, on nettoie la plage.
On se la joue Greenpeace, là. On est écolo, ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh putain, les... Sérieusement, la guilde des explorateurs et... qui font des missions d'écologie, là. Bah, je vois pas où est le problème. Alors, Robert... Ça participe à notre rôle. Tu dis que c'est exactement ton boulot, hein, de faire ça. De faire le nettoyage. Oui. Ah, bah, oui. On est bien d'accord. Nous, non. Tous les trucs dangereux, ouais. Il faut qu'on s'en charge. Extermine. Exterminons-les. Des esprits de djinns qui se baladent sur une plage là. Non, moi j'aime pas ça. On peut pas dire que non. Bien sûr. C'est juste pour dire que si, c'est justement pile le boulot de la société. Ouais, les esprits de djinns, ils ont pas le droit d'avoir des vacances. De quoi ? Il reste quoi comme couleur ? Il reste une couleur noire. Oh non ! Pourquoi ? Quoi, t'aimes pas les noirs, espèce de raciste ? Non, ouais, t'es raciste, c'est ça, Nyx, de le... Écoutez-moi ! C'est les esprits de Nyx, en vrai, ils ont pas de... En fait, j'ai peur qu'une fois qu'on l'assemble, ils disparaissent, on puisse pas l'attraper, on puisse même pas le pousser. Alors, et c'est pourquoi on ferait pas juste comme avec les jaunes ? On en garde une de chaque couleur, on rassemble les autres, on met dans le portail, et la pierre qu'on aura gardée tombera en morceaux, en poussière, dans notre main, et ça voudra dire que c'est bon, quoi. On n'a pas besoin de tous ces assemblés. C'est comme là pour la jaune. Mais bon, si tu penses que c'est Nyx, la pierre noire, on s'en débarrasse direct. Nyx, le djinn des ténèbres et du cauchemar, je crois. Mais du coup, j'ai bien fait de pas prendre la noire parce que je me suis dit, bon, on va prendre noir parce que c'est à peu près les couleurs de l'Aizen. Bon, j'ai bien fait finalement de pas le prendre. Hein. Oui. Ouais, il aurait été cool le noir. Dommage. Non, il aurait pas été cool. Non, moi, ça aime pas les noirs, c'est bon, j'ai compris. C'est de Lara qui les aime pas. Hein. Tu m'as fait trop peur. Du coup, il reste quoi là comme couleur noire ? Donc, il vous reste donc une noire, il reste une blanche. Il reste blanche. Oui, une blanche. Il reste une verte et il reste un bleu clair. Encore une verte. Mais deux verts. Et une autre verte. J'aime bien l'idée de Robert où on prend les cailloux, on les balance dans le portail. Ah non, mais c'est ça qu'on fait. Bah oui, bah c'est ça. Alors, de toute façon, ils vont se faire déglinguer dans l'enfer. Hein. Attendez. Il y a eu deux plans et la question est importante pour moi. Est-ce que vous les assemblez devant le portail? Vous voyez quel type d'esprit c'est, et après vous le poussez dans le portail. Ah oui. Vous ne le laissez pas se former et vous détruisez la moitié des pierres, et ils seront détruits sans même que vous sachiez à quoi ils ressemblent. On ne laisse pas se former. L'autre verre, en fait, c'est potentiellement un truc d'Aura, du coup, vu qu'on a eu celui de Jean. C'est quoi l'autre? Aura, c'est les dieux des anges gentils. Est-ce qu'on est là pour prendre des risques? Non. Oui. Mais moi, je suis curieuse, du coup, vu que tu m'as dit que c'était un truc gentil. Donc, on les a. Sauf Nyx, qui a l'air de puer la. Ça sera soit Nyx, soit Shayesté. Si c'est Shayesté, c'est de mon côté, donc ça va. Ouais, si c'est... Ça va être grave chiant. Ouais, mais alors, donc ça veut dire que si on balance dans le portail, tu vas te faire engueuler. Il y a une chance sur deux que Chassé se fasse engueuler, quoi. Et que toi aussi, du coup. Attendez, prenons juste ce qu'on a vu, là, ce qu'on sait. Les trois, c'est des esprits de djinn. On va pas me faire croire que ceux qui restent, c'est pas des esprits de djinn aussi, quoi. Alors, pour savoir si ça peut être des esprits d'Aura, moi je dis on prend le deuxième verre et comme ça on saura. Vu qu'on en a déjà sorti un de verre qui est un esprit d'Aura. Préparez les briquets. Le deuxième verre sera un esprit d'Aura. Non, mais préparez les briquets, c'est tout. Allez, je commence à rassembler les verres. Ton kick. Oh là là. Je commence à rassembler les verres. Non, mais c'est bien, on prend une erreur et on la reproduit. Attendez. Moi. Que tout le monde soit à peu près sur le pied d'égalité, je vais vous lire l'ensemble des djinns qui existent. Ok ? Attends, je peux le donner sinon ? Oui, mais je vais le faire, parce qu'en tant que MJ, j'aime bien. Ok. C'est juste que je l'ai écrit devant moi. Et ce qui est important de vous dire, c'est que les couleurs sont liées. Voilà, c'est lié un peu à leur pouvoir. Donc on a l'ange qui s'appelle Arsalan, animaux et jugements.
et son opposé, c'est Poséidon, le djinn de la mer. Et Poséidon, vous savez que c'est les hommes poulpes que vous venez d'affronter. Vous avez l'ange Donna, qui est l'ange de la victoire. Et le djinn, c'est la défunte, c'est la corruption et l'échec. Farzané, donc vous l'avez peut-être déjà vu, c'est celle de la vengeance avec des os, ce genre de choses. Et son opposé, c'est Afarat, c'est la colère et le feu, et là, vous l'avez croisé. Vous avez Nazanin, qui est l'ange du temps, et son opposé, c'est Gloranta, le djinn de l'entropie. Vous avez Omidé, l'ange de l'espoir, et son opposé, vous n'avez pas son nom, mais c'est le djinn de la souffrance. Vous avez Parsand, qui est l'ange de la guerre, et son opposé, vous n'avez pas son nom, mais c'est le djinn du massacre. Vous avez Salar, l'ange du métal et de la gouvernance, et son opposé, c'est le djinn de la destruction et de la rébellion. Vous avez Shamissa, qui est l'ange de la lumière et de la vérité, et son opposé, c'est Shamissa, qui est le djinn du mensonge et de l'usurpation. Vous avez Shayaste, qui est l'ange de l'honneur et des ombres, et son opposé, c'est Nyx, le djinn des ténèbres et des cauchemars. Vous avez Utabar, l'ange de la sagesse, et son opposé, c'est le djinn de la fourberie. Vous avez Vafa, l'ange de la terre et de la piété, et son opposé, c'est le djinn de la lave et de la cruauté. Et enfin, vous avez Zarfa, l'ange de la mort, et son opposé, c'est le djinn du poison et de la flétrissure. Voilà. Il y a plusieurs couleurs vertes qui sont possibles, de tous les côtés. Je tiens juste à préciser que, voilà, ça peut... vert, ça peut être Vafa aussi. Ouais, bon, on va pas prendre le risque. Allez, tout dans le portail, allez, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'on en balance tout dans le portail de manière indiscriminée. Les conséquences pour notre compagnon Delara pouvant être... Et si on tombe sur un mauvais truc, les conséquences pour notre groupe entier pourraient être désastreuses. En fait, on pourrait potentiellement... Il y a un esprit de perdu, 10 de retrouvé. D'accord, si vous voulez mettre ma vie en jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une question de mettre ta vie en jeu. Je suis en plein procès avec les dieux. Il a raison, en fait. Tu viens d'en absorber 3. Et alors? Et alors, elle a encore faim, elle a encore faim. Alors, par contre, si vous avez des doutes, Delara peut vous dire qu'elle a un livre qui décrit les esprits des différentes cours. Oui, on a... Par exemple, celui de Nyx, vous savez... qu'il est parce que c'est pour celui qui est tout noir. Vous savez qu'il est insensible à la magie, aux dégâts physiques, au fait de le prendre dans les bras et ce genre de choses. C'est un fantôme tout noir. Oui, c'est de la sale race. C'est de la sale race. Ouais. Et c'est écrit que pour le battre, il faut lutter contre une peur. Oh, mais on s'en débarrasse, ça s'en va, ça. Bon. Ouais. Voilà. Je vous donne l'exemple de celui qui est en noir parce que vous en parliez. Après, je peux vous donner d'autres si vous les demandez. Il n'y a pas de souci. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que vous prenez le risque de détruire les pierres? Est-ce que vous les laissez sur place? Mais là, ça semble pas être le cas. Et si vous faites ça, Robert va se faire tirer les oreilles. Et l'autre truc, c'est est-ce que vous les assemblez, savoir si c'est des djinns ou des esprits, etc., etc. Bah, déjà, on peut pas les laisser sur place, ça serait dégueulasse, il y a déjà eu plein de morts. Oui, laisser sur place, non, On est tous d'accord que ça ne colle pas à votre mentalité. Ah mais oui. Je préfère donner toutes les opportunités qui existent. Donc maintenant, la vraie truc, c'est vous pouvez détruire toutes les pierres, et il y a un risque que si dedans il y a un esprit, ça retombe sur Delara. Et voilà, je vous dis. Et si c'est que des djinns, c'est cadeau. Et à l'inverse, si vous les assemblez, il se peut qu'il y a des djinns qui sont pas cool et qui demandent des combats où peut-être il faudra réfléchir. Voilà. Après, on n'est pas obligé de tous les assembler en même temps, au pire un par un, et puis voilà. Le problème, c'est que si on est sur un intellectuel, il va rassembler les autres. Surtout si on tombe sur celui qui est intangible et mes couilles en ski. Et bah on le fait en dernier. En premier, on fait autre chose. Et puis. Est-ce qu'on peut camoufler les pierres? Les autres pierres. Cacher. On en assemble certaines et on camoufle les autres.
Bah, vous pouvez mettre de la pierre dessus, oui. Enfin, des trucs. Du sable. Oui, oui, bien sûr. Du sable, des freins. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par le bois. Oui, moi aussi, mais bon. Commence par le verre, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par le verre. Hein. On va se mettre dans le caca alors qu'ils vont être tous méchants. Non, mais t'inquiète. Je dégaine mes haches et je fais t'inquiète, on va se les faire. Oh. Ah, mais moi je m'inquiète pas pour moi. Hein. Non, pour eux, je sais. Mais c'est ce que j'ai dit aussi. Hein. Bon, moi, allez, je rassemble les verres. Allez, c'est bon. Ok, vous allez rassembler les verres. Je lance mon. On les rassemble devant le portail. Hein. Oui, oui. Ah oui. Oui, j'ai bien compris que c'était oui. Devant. Non, mais la précision est importante. Oui, la précision est importante pour mon ZC Sparta. Alors, au moment où le verre... Le verre s'assemble, vous avez un bébé dragon qui apparaît devant vous. Est-ce qu'on peut le faire patch? Oh mon dieu. Ça sera mon nouveau pet. Je suis chasseur, je sais les trains. C'est il un va me croquer la main. Oh, chaud. C'est notre mascotte avec Enrich. Ouais, mais c'est mon pet. On lui donne un nom. En premier. Il semble pas très très agressif. Et il est plutôt en train de vous regarder et ce genre de choses. Je suis Kalashaura de ChaST. Alexander. Bah les couilles, frère. Je peux le porter? Attendez. Non, mais elle veut me péter mon dragon là. Non, je te pète pas, je veux savoir quelle aura il est. C'est tout. Il va pas forcément parler, mais quand tu vas le voir, tu vas reconnaître un peu le dragon que vous avez vu la dernière fois. Oh, ouais, c'est notre frère! C'est le gentil dragon qui nous a aidé. Oh non, je t'ai pas là. Celui qui a tué tous les gens? Oui! Il nous a aidé, voyons. Gentil. Et tu apprends, Delara, que c'est sûrement une créature d'Arsalan. Oui, bah, j'imagine. Bon alors. Et donc pour les autres, si vous avez suivi, Arsalan, ça fait partie des esprits gentils. Oh magnon. Je lui tends du bœuf séché pour voir s'il veut. On rentre. Alors ok, on le met pas, on le fout pas dans le portail, mais on fait quoi? Clairement, si tu fais du bœuf séché, il va le becter la fin. Ouais, je lui donne. Bah je lui donne. En vrai, je lui donne mon truc de bœuf séché. Des provisions. Bah tu peux me faire un petit jet de dressage. Oula, je sais pas comment ça marche. Ah bah moi non plus, je sais même pas si ça existe. Bah non, je le vois pas. Mais tu vas faire de la résolution et empathie, tu vois, quelque chose ça ou... Ouais, du truc que j'ai pas, j'étais sûr que t'allais me demander de l'empathie. Ouais, ah, j'ai envie de ça. La persuasion, si t'as. Non plus. Bah, je suis très persuasif naturellement. Ouais, bien. Érudition. Alors, résolution. Érudition, moi je dirais. Vous parlez à Lucuran, arrêtez. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, faut que t'aies des trucs quand même pour parler aux animaux. Bah oui, bah, c'est pas grave. Je peux le faire et te le donner après, si tu veux. Je suis chasseur, hein, j'ai pas besoin de leur parler, je leur donne à becter, je les pas de pattes et c'est bon. Ah ouais. Pourquoi on peut leur parler? J'ai envie de faire un truc à la con. Empathie-résolution. Ouais, empathie-résolution, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'en occuper, sinon? Oui, moi. Oui, moi, c'est de la résolution, moi. Hein. C'est ma stat principale. Non, mais la résolution, j'en ai. C'est pas le problème. C'est l'empathie. L'empathie, j'ai un point. J'ai deux en empathie. Empathie, j'ai deux. Comment ça va se battre? Qu'est-ce que t'as pas fait, là, Joe? Parce que... Non, je... Non. Qu'est-ce que j'ai pas fait, ouais. Non, mais c'est bon, je leur laisse le dragon. Ah mais moi c'est pour te le donner après. C'est juste l'histoire qu'il s'en aille pas. Non, moi c'est pour le garder. Mais non, mais peu importe, la personne qui va le tailler, il va t'y attacher. Donc c'est alors, bon, faites vos jets, Joseph et Francesca. Je fais quoi du coup, empathie, c'est ça? Mais attends, elle a deux... Empathie, résolution, ou si t'as panache, choix. Elle a deux, Delara, en empathie. Oui, non mais Delara, elle le fera au cas où après. Ah, c'est maintenant, mais... C'est la chaîne, ok. John, malus, bonus? Pas de malus, pas de bonus. Je fais le mien juste pour rigoler. Pouah! En fait, Joseph, tu vois que tu...
Le dragon va s'approcher de toi et dès qu'il va voir ta fille qui est pas très loin, il va se mettre à cracher, tu vois. Tu sens qu'ils sont pas vraiment de la même famille, son dragon et le tien. Ouais. Mais il va te faire, il va être un peu amical avec toi et Francesca. Il y a pas de souci, vous allez pouvoir de trucs. Mais tu te dis que c'est peut-être pas la bonne idée d'avoir deux dragons de deux couleurs différentes sur le même bateau. Ouais, bon. Voilà. Je lui faire des petites caresses pour l'apaiser. Vertu apaisante. Ben pas de souci, tu vas l'apaiser Francesca et il va être, tu vois, il va s'amuser. Mmh. Dans le jeu, tu vois qu'il va cracher et quand il crache, c'est du feu vert. Oh. Je le dis. Culier, mais voilà. Ah, ça veut dire qu'on peut passer du coup. Non, ça veut dire que ça va se craver. Elle est bien, elle est bonne. J'ai pas compris. Oh putain, je l'ai. Feu vert, poussin. Feu vert, feu rouge. Feu vert, quand t'as feu vert, feu rouge. Voilà. Ah, quand tu conduis. Ah, d'accord. Feu vert, la pointe de l'expert. Bah, je pense que c'était plus ça que j'aurais mis, mais tu vois. Que... D'accord. Mais bon. Donc voilà, le vert, c'est géré. Il vous reste le blanc, il vous reste le noir et il vous reste le bleu clair. Le blanc, ça te pourrait te dire quoi, Delara ? Exactement ça. C'est un bébé dragon comme ça, Delara. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un bébé à bout ? Et quand il sera adulte, ce sera ça. C'est exactement un bébé à bout, c'est ça. Oh mince. J'ai encore plus d'aigle ou pas là. Le blanc, chez les Aouras, ce serait sûrement Donna, l'ange de la victoire, mais je pense pas que... Non, mais non, ça peut pas être... En tout cas, en jean, ça peut pas être ça. Mais question conne, ça pourrait pas genre être Chamisa ? Enfin, Chamisa ? Non, ça aurait été le jaune. Ça aurait été le jaune ? Je pense. Là, on doit se fier à ton expertise sur les... Ouais, vous pouvez... Non, ça peut être bien. Vous pouvez aussi chacun faire votre propre expertise, hein. Seulement, il y avait... Alors, selon ma grande expérience, c'est un caillou qui brille. Ouais. C'est un caillou. Tu devrais aller en acheter au souk, tu verras. Ah, ils sont... Ah, ouais. Ah, ouais, j'ai entendu parler de ça. Super, hein. Bah, c'est les mêmes, puisqu'ils sont réduits en poussière dans la main, donc. C'est vrai. Sauf qu'il y en a un, faut moins de l'eau, au moins. Là, c'est encore de la moins bonne qualité. Bah, moi, je rassemble les pierres blanches. Ouais, ouais, vas-y, je commence à... Bah, tu remarques, tu peux faire un GLVM en sang ? Alors, tac. Ok. Bah, quand vous faites les pierres blanches, il va avoir. Vous allez être ébloui. Voilà, ça va faire un truc très, 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 enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de lumière. Et en face de vous, vous allez avoir l'impression d'avoir une espèce de créature liquide, de forme humanoïde, mais qui ressemble un peu à de l'argent en fusion. C'est le serpent d'argent. Le T-1000. Ouais, genre, très bonne image, le T-1000. C'est très très bien. C'est ouais, Terminator, c'est tout ça. Hein, Terminator c'est... 2. Ah. C'est... Tu imagines juste... Je vous montre une image. Un squelette en ferraille. Ah oui, d'accord. Ouais, moi, c'est plus ça, tu vois. Bon, avec moins de vêtements, mais... D'accord. Voilà, vous avez ça face à vous. Et Lara ? Oui ? M'a dit bonjour. Dis méchant. Dis bonjour. Bonjour. Bah c'est Salar. Ange du métal. Oui, ça me paraît très logique. Après, vu comment ça brille, peut-être ton a aussi, je sais pas. T'es voilà, je vais me présenter. En disant que Kaishaura, Shaiste. Non, mais ils sont encore plus timides que ça. Il va te demander quels sont les ordres.
Alors là, bombe le torse en mode... Oh putain. Quels sont les ordres? Tu, Francis. Le fameux Francis. Alors non, ça, ça me le réserve. Non, 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 moi, si on me donne tout pouvoir, tu, Francis. Fais le voilà. Chien. On voit pas la même priorité, quoi. Il va répéter. Déjà, on pourrait peut-être lui demander c'est quoi ses capacités. C'est ton problème. Quoi? J'ai pas entendu. C'est qui a assemblé la pierre? Il demande à qui? Il a les ordres à tout le monde ou juste à une personne? Bah. À moi. Il demande un peu à tout le monde, hein. Il y a pas ah, de... Je pointe du doigt. De quoi? Je pointe du doigt. Salut! Tu fais quoi? Tu pointes du doigt et tu fais quoi? Et je dis, c'est lui. Il demande qui a assemblé la pierre. Ah oui, alors, ok. Mais après, il demande quels sont les ordres. Il répète ça en boucle. Ah oh. Non, non, mais c'est moi qui ai demandé qui a assemblé la pierre. Ordres. Non, c'est comme un génie, là, en fait. C'est... Ouais, grosso merdo. Première, est-ce que je réponds aux questions qu'on va te poser? Es-tu à quel Il va te dire d'accord. Esprit, es-tu lié? Il va te dire Salar et il va tomber en flaque de liquide devant toi. Ok, c'était une question. Fini. Ah. Perdu. Dommage. Bah, au moins, on est. Comment on... Au moins, on n'a pas de. Fixé. C'est qui Salar? L'ange du métal et de la gouvernance. Ok. Bon. Tu vois, on aurait dû tuer Francis. Ouais. 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 Il vous reste donc la noire et la bleu clair. La bleu clair avant. Qui le ouais, fait ouais. Moi. N'importe qui peut le faire. Bah, lance un dessin en GGM. C'est juste ça qui. Ah, par contre, je ferai la dernière, si ça dérange pas. Non, vas-y. Ah, parce que si c'est esprit copain. 83, j'espère qu'il fait le faire haut. J'adore tes GGM. Vraiment, c'est. Ah, en GM, pardon, j'avais pas entendu. Un plaisir que tout le monde voit ton jet de dés. Ah, mais tu veux que je leur fasse. Et qu'ils le disent en plus après. Tu veux que je leur fasse. Non, je m'en fous. En fait, vous avez fait tous des jets de merde au début, et là, vous faites tous des jets de dingue. C'est cool. C'est pas que je tire, moi. Bah, c'était quelle couleur? Bleu clair, ouais. C'était le bleu clair. Et bah, vous allez avoir une espèce de... J'allais dire de jean, mais ça serait mal dit. Une espèce de génie bleu. Mais qui semble complètement glacé. Ah, oh, Nazana. Mais quoi? Nazana, ange du temps. Ange du temps. C'est la glace. Nazana. Oh, c'est les esprits qui emprisonnent. C'est ceux qui emprisonnent les autres, les méchants esprits. Le temps de leur pousser. Oh, bah, il va rester avec nous pour le noir. Ouais. Ah bah oui. Je vais le saluer et me présenter. Eh ben, il va vous saluer et vous dit que il est géolier du temps et il vous demande si vous avez quelqu'un à... si vous l'avez invoqué, si vous avez quelqu'un à enfermer ou s'il doit retourner vers sa maîtresse. Alors, on a peut-être quelqu'un enfermé, oui. Peut-être un esprit de Nyx. On va invoquer. Ok, tu vois qui. Il regarde aux alentours et dit qu'il voit pas d'esprit de Nyx pour l'instant. Ça arrive. Tout ça vite. Arrive. Bah vite, tout vite, tout vite, vite, assembler le noir. Je vais aller prendre les pierres noires. Ok, bah tu assembles les pierres noires, tu vas me faire un jet de. En GM. Et là, face à vous, vous avez une espèce. Vous voyez Spectrum, le Pokémon? Oui. Ouais. Et bah, il va apparaître devant vous
et il va commencer à regarder Delara, et au moment où il allait l'attaquer, ou ce qu'il pensait l'attaquer, et ben il va être cristallisé. Oh, oh c'est mon Pokémon oh là là. Préféré. Bravo. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je suis désolé. Elle a pas voulu jouer Jinaya de Nyx, franchement je comprends pas quoi. Moi, non, j'ai pas envie d'être Jinaya de Nyx, non merci. Et en gros, il va être cristallisé et l'esprit glacé vous dit je vous me remercie, je l'amène à la prison et il va disparaître avec le dernier esprit. La bonne voilà. journée. Et ben voilà. La bonne journée. Donc là, parmi tous les anges, on a juste un dragon. Ouais, enfin, parmi tous les cavaliers d'anges, on a toujours le dragon. Bah moi je dis ça s'est plutôt bien passé. Moi si tu veux, il y a une flaque de métal, hein, mais... si vous voulez, le dragon, vous avez fait 100, donc... un truc que vous pouvez conserver. Ah oui, d'accord. Il y a eu 79-83. Il fallait faire plus de 75 pour que ça soit sympa. Et les premiers jets, vous avez fait aucun jet au-dessus de 50, je vous rappelle. Donc... Je lui ai déjà trouvé un nom. C'est mon Pokémon. Parfait. Je retiens. Hein. D'abord l'œuf du Tortuga, maintenant le dragon. Non, mais ok. Non, mais en plus, ça fait deux dragons qu'on te pique sous le nez, hein, parce que c'est le Tortuga. Ouais, parle-toi. Je compte prendre de la damasque pour mon mariage, là. Parle. Mais voyons, je vais te l'offrir la damasque. Offre-moi ton dragon. Je m'approche de toi, Alexander, et je te dis, il n'y a pas à avoir de peine. Ça fait juste moins de gens à pleurer quand ils seront morts. Non. Il n'a pas tort, hein. Ouais, je regarde. Regarde Henry, je dis, mais je croyais que dans Raizen, la mort était juste un. Mais ferme-la. Mais ferme-la, putain. Pour attraper l'autre. Ça suffit à la fin. Alors, l'heure avance quand même, et on a passé beaucoup de temps sur une île qui devait nous prendre une demi-heure. Tu nous surestimes là, Boudin. Quoi ? Tu nous surestimes. Je vous surestime. Est-ce que vous voulez faire l'île des morts-vivants ou on passe au mariage ? Le mariage. Le mariage. Allez, le mariage. J'aurais bien fait l'île des morts-vivants, mais on va être un peu de temps. L'île des morts-vivants, mais l'île des morts-vivants, je vais juste vous expliquer comment ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et je considère que vous n'avez pas trop de problèmes là-dessus. En gros, la journée, si vous tabassez des îles des morts-vivants sur l'île de Pinfraisse, il se passe rien. Et si vous allez sur l'île de Gyotech la nuit, vous passerez pas parce que vous êtes vivant. Et si vous passez la journée, vous allez juste y trouver un objet en fait qui réanime ces squelettes-là. Et j'imagine que Henry, je vais le prendre, va le mettre dans artefact son coffret à la guilde. Et c'est terminé. Voilà. Artefact Bravo. À la guilde. C'est un joli résumé. Je préfère faire ce résumé parce que ça aurait pu prendre du temps. Et voilà. Ouais. Easy mission. Donc oui, l'objet, ça part à la guilde. John, il n'y avait pas de... Comment ? Il n'y avait pas de... De pouvoir sur Penfret. De quoi ? Il n'y avait pas de nœud sur Penfret. Non, c'était que sur Gyotech. Que sur Gyotech, ouais. Donc et sur Gyotech, en fait, c'était, il y avait ce truc-là. Le seul truc que vous pouvez retrouver qui est plutôt joli sur Gyotech, je vais quand même vous l'offrir. Tac. Il y a un squelette qui est un peu bizarre. Il a... En tout cas, il a un équipement qui est particulier. Bien sûr, j'ai perdu l'image. Mais il ressemble à une espèce de samouraï. Okay. Ah, maintenant je l'ai là. Et donc, vous pouvez récupérer assez facilement cela. Non, là c'est pas bon. Là j'ai pris le nom de quelqu'un. Pourquoi ça veut pas ? Qui est l'image ? Ils ont mis à jour Discord et depuis c'est la merde. Ouais. Rien à voir, pêche. Mais j'y pense maintenant, donc je le dis. Vous montrerez, mais vous avez. Vous avez un katana et une armure complète de samouraï. Pense à quoi ? Me ramener mon manteau. Oui. Oui, il faut. Oui. Ouais. Oui. Oui.
Oui. Oui. C'est juste que j'y pense maintenant et je voulais pas oublier. Oui. Donc on a un ensemble samouraï. C'est ça, mais vu que ça bug, je peux pas copier-coller une image. Ça me saoule. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de soucis avec Discord. Ouais, Discord, il part un peu en sucette. Mais souvent à la fin de l'année. Mais voilà, vous avez l'équivalent d'un katana et d'une armure de samouraï. Oh, oh. Ok. Là, je viens de recevoir ton MP tout. Enfin, maintenant. De qui? De moi? Non, j'ai même pas ton MP. Ah non, mais le mien. Il remonte, hein. Je t'envoie les photos du pied, c'est tout. Oui. On verra après des Lara, mais des gens qui ont participé. Ah! Ok, j'avais pas compris. Oui, je te fais ton eau tout de suite. Et on passe au mariage. Je suis désolé. Hop. Vous avez l'image et je reviens. Oh. Oh. C'est beau. J'aime pas. Très très beau. C'est moi. Et du coup, j'ai trouvé un petit nom pour le dragon. C'est Irmicite, Seigneur des Verts, vu qu'il est vert. Voilà. On va l'appeler Petit Dragon. Mais non. Ouais, hein. Irmicite. C'est bien Petit Dragon, hein, franchement. Irmicite, allez, Petit Dragon, viens. Non. Ouais, je dis non. Ça, mais... Non, c'est non, Irmicite. Mais, moi, je pense que Greenpeace, c'est bien, hein, vu qu'on était sur une mission Greenpeace. Oh, c'est vrai que l'appeler Greenpeace, ouais. Ça va être drôle. Au secours. Greenpeace, il faut sauver les dauphins. Je suis sûr que si je lui demande Irmicite ou Greenpeace, le choix est vite fait. Hein. Greenpeace. Okay. Non. Ça a plus de gueule, Irmicite. Tout le monde, ben voilà, c'est bon. Oh non, au secours. Pauvre dragon. Enfin, je dis ça, mais c'était son dragon. Nous, on a décidé de son nom, ça suffit. Je sais même pas si celui de ma fille a un nom. Oh, ça donne même pas de nom. Probablement de nom mais... Ouais, alors, mais il y a un dragon. Plus Mais c'est son. Ah oui, le petit dragon. Oui, plus l'esprit, ouais, le petit garçon. Ouais, plus un djinn. Enfin, pas un djinn. Ouais. Un divaï. Non, un divaï. Non, mais ta fille, elle va être overpowered après. Moi, je dis, vous faites ce que vous voulez. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que j'arrête de m'attacher des PNJ, comme ça, je suis plus triste. C'est pour ça que tu vas te marier, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais je garde mes quelques PNJ, tu vois, c'est facile à défendre, 3-4 personnes. Après, les autres, je m'en parle. Voilà. Ah bah, super. Non, mais vous êtes pas des PNJ, ça va? Oui. Bon. Sauver les dauphins. Alors, vous allez rentrer en ville. Et à votre arrivée en ville, il va se passer quelques jours avant le préparatif de mariage. Pendant ces quelques jours, les informations importantes qu'il va avoir, c'est que vous savez que vous devez nettoyer maintenant la chambre de Delara quotidien. Moi, j'ai pas fait de pari. Moi je suis pas dedans. Comment ça, c'était quoi le pari? Oui, bah les deux qu'on parlait, c'est ceux qui ne sont pas concernés. C'est bon, on a compris, hein. Franchement, voilà. Quelle idée. T'as pas intérêt à chier sur les murs, hein. Non, mais je suis pas là. Si tous les joueurs ont des idées de cadeaux de mariage, vous pouvez me les envoyer par MP. Oui, c'est comme ça. Je t'avais déjà dit ce que je voulais lui offrir. Oui, mais voilà. Voilà. Oh, ok. Delara sera absente ces quelques jours qui vont se passer, et dès qu'elle va repointer le bout de son nez, vous allez apprendre qu'il va avoir un mariage entre la fille Naafiri et Roberto. Attends, et en ville, quand Delara va revenir en ville, on annonce qu'en fait, le lendemain des noces de Heinrich, il va avoir les noces de Roberto et de la fille Naafiri.
Okay. Et j'ai une question à te poser, Boud, mais ça sera plus tard, c'est par rapport au JT. Ok. Du coup, vous pouvez bien boire ce soir. Non, j'allais me gêner, tiens. Pour le mariage, il y a énormément de Villanova. Ok. Donc les Villanova, ce sont une famille Vodach, très puissante, vu que c'est la famille royale. Et il y a énormément de Villanova qui sont là. Dans les Villanova, il y a énormément de gens qui font partie de la société. Donc la maison de la société n'a jamais été aussi pleine, je vous le dis. Ah. Ouais. Villanova. C'est un risque d'incendie, tout ça. Mmh. Ou d'attentat. Tout l'alcool. tout l'alcool, en tout cas. Tout l'alcool est royal, en vrai, c'est dangereux. Ben. Alors, la famille royale est grande. Hein. Il représente un septième des nobles Vodach. C'est une très grande famille. Oui, d'accord. Mais royale. Mais royale. En tout cas, vous allez... voilà. Ça va se passer. Et vous allez, bien sûr, faire vos rapports. Je vous laisserai faire tout ça en dehors du jeu par rapport à Henry, par rapport à Robert, j'imagine. Par rapport à tous les trucs que vous avez récupérés et ramenés de l'île de la Mouette. Il n'y a pas de souci par rapport à tout ce travail de la société. Et les jours de noces vont arriver. Le jour des noces, vous allez être séparés en deux teams. La team des gars, la team des filles. La team des filles, vous êtes invité par Elina, si vous le souhaitez. La team des garçons, vous êtes invité par Enrich. Voilà, si vous le voulez. Bah, bien sûr. Oui. Je suis sûr pour prendre un mot. Bah, je sais pas, si tu estimes que Henrich t'as pas envie d'être son témoin, tu dis non et tu le seras pas. Que dalle, je veux être LE témoin. Si tu veux pas être mon copain, faut le dire. Delara, est-ce que tu acceptes la demande d'Elina? Voilà. Tout le monde a répondu. Robert, c'est le mec qui a pas répondu en fait. Bah, bien sûr que j'accepte la demande d'Henrich. Je dis pas le contraire, mais voilà. Vous savez que... En plus de vous, côté garçon, vous avez le Holly Holly Olsen, et c'est le seul autre personne qui est là. Et côté des filles, il va avoir une Anna qui s'appelle Anna. Elle était partie, mais elle est de retour, je ne sais pas pourquoi. Vous avez Elina, vous avez la femme... Anastasia ? Non, pas comme Anastasia, comme Anna. Elle s'appelle Anna. Elle ressemble à une viking, et à une guerrière, et... dit qu'elle ne doit pas être là pour faire de la couture. Non. Peut-être. Si vous... Peut-être. Je suis son mentor. Voilà. Il y a Anna côté des femmes. Il y a toc. Et c'est à peu près tout, hein, je dirais. Il y a Anna. Alice. Elina. Alice, oui. Et il y aura Alice, c'est qui? La muette. Oui, 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 il y aura toute la team, des chaînes de guerre, et il y aura aussi la femme du doppelganger d'Henrich. Il y a pas les gens du Tortuga. Il peut y avoir des gens du Tortuga, ouais. Pas du tout. En tout cas, ce qui compte le plus, c'est que je vous explique ce qui va se passer. En gros, la première action que vous allez faire, c'est que vous allez faire un bain. À la manière vestaine, donc pour les hommes, vous allez tous vous mettre dénudés. Seul Henry sera habillé et vous allez devoir lui arracher les vêtements. Oh là là. Tout ça dans le Tout ça dans de l'eau gelée. Voilà. Moi je veux son calme. On a le droit de les garder après les vêtements. Ensuite, vous allez sortir. Pour les hommes, vous allez vous sécher. Henrich n'aura pas le droit de se sécher. Vous allez lui donner son épée et vous allez devoir aller dans la forêt au niveau des tombeaux. C'est très bien, ça. Et ouais, au niveau des tombeaux. Et au niveau des tombeaux, vous allez récupérer une épée de la. Voilà, une sorte d'épée. Donc l'épée a déjà été posée, il n'y a pas eu de soucis. Et on vous explique en fait que c'est une épée des ancêtres d'Henrich, ou en tout cas. Qui souhaiterait être de ses ancêtres et qu'il va offrir à Elina. Henrich, t'as beau être matinal, il fait froid quand même. Hein.
J'ai mal. C'est voilà. les pieds brûlent. Je regarde Heinrich et je dis, t'aurais pas pu choisir de te marier en été? C'est vrai, bon, ça. Alors l'été en Vesten. Et là je te réponds, Robert, tu sais, il y a plus de saison. Tu vas te donner une grande claque, Heinrich, tu vois, dans le dos, ça a piqué un peu. Mais il dit que les plus beaux mariages se passent l'hiver. Vous allez continuer tout ça. Une fois que vous allez arriver en fait sur le lieu de la cérémonie, vous allez habiller Heinrich avec sa tenue de mariage, donc une tenue qui est préparée, qui est apprêtée. Et ensuite, il va avoir les noces à proprement parler. Ok. Pour les femmes, ça va ressembler un petit peu, sauf que vous n'allez pas déchirer ses vêtements et vous n'allez pas être toute nue non plus. La première chose que vous allez faire, c'est vous allez dénuder la mariée, comme elle. Ah. Et par contre, après, vous allez la rhabiller avec des nouveaux vêtements. Vous apprenez que cette tradition, c'est que, en gros, elle enlève ses vêtements de jeune femme pour devenir femme et elle va garder sa tenue pour la donner à sa future fille. Et elle a une... Voilà. Le bain représente un peu tout ce qui est nettoyer les impuretés, la transition, ce genre de choses et tout. Suite à ça, par contre, vous allez devoir chasser un animal dans la forêt. Et vous allez faire ça avec Elina. Et le but du jeu, c'est que c'est la bagarre là qui compte. Parce que vous allez devoir tuer un animal à main nue. Oh, trop bien. Bagarre. Oh non. Oh, Delara, elle est contente, là. Hein. J'aime pas ce jeu. Non, mais à main nue, hein, sans J'aime pas ce jeu. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, là. T'inquiète, Francesca, je te protège. Non, en tout cas, ça va dépendre. Faut pas sous-estimer Gabriella. Hein. Ça va dépendre des gens qui sont là, tu vois. Et entre Anna, Delara, Elina, Alix, honnêtement, vous pouvez taper dans la bestiole que vous voulez, mais Elina va choisir une espèce de loup, un gros loup. Moi, je vous regarde faire. Vous allez vider le sang de la bestiole et vous allez toutes boire de ce sang. C'est de la tradition. Ah, d'un côté, ça fait des rituels sataniques, de l'autre côté, ça fait des choses très gaies quand même. Mais j'ai toujours été très gay d'avoir un ami comme Heinrich. Je vois pas où est le problème. Si, évidemment. Allez, Francesca, on est une équipe. On va y arriver. J'ai pas signé pour ça, moi. Moi non plus. Et je préfère les rites de mariage perse. Hein. Enfin, bon, ça c'est autre chose. C'est mieux les harems, ouais. Ouais. Je me pince le nez hein, pour boire. Moi aussi. Oui, bien sûr, mais on va vous dire, voilà, du courage, équipe. Voilà. Vous allez faire ça. Et une fois que vous allez arriver en ville, en fait, le loup va être dépecé assez rapidement. Et il va être préparé. Et vous savez que tous les invités d'honneur auront le droit de manger du loup. Voilà. C'est pas bon, le loup, c'est dur. Bah putain, j'ai pas dit, que c'était bon, mais voilà. On a pris du lapin, quoi. Sinon, putain, on se serait regardé tous ensemble à bouffer un lapin. Non, elle a parlé des invités d'honneur. Hein. C'est vrai que le lapin, il y a moins d'invités, quoi. Oui, non, mais voilà, mais pour les invités d'honneur, quoi, bon, ils vont se regarder, quoi. En tout cas, vous allez faire ça, après vous allez préparer la mariée, en mettant les nouvelles tenues, et la cérémonie va pouvoir commencer. La cérémonie va commencer au tout début de la soirée, vu que la journée a été longue. Je vais vérifier que j'ai bien mon brouillard de guerre, que je n'ai plus. Parfait. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, est-ce que là... Vous avez changé de scène et normalement, vous y voyez rien. Oui. Ça, on voit rien. Okay. Donc vous allez monter au niveau du château et il y a une espèce de terrasse en bois qui va accueillir pas mal de gens. Il va y avoir Reda qui va officier
Officier, ouais. Et je vais vous montrer. Vous allez avoir une vue dégagée sur vers la mine. Et c'est, ça va ressembler à peu près à ça. Oh. Les invités vont prendre voilà, les différents lieux sur les bancs. Et Reda va faire venir Heinrich et Elina. Et Elina est amenée par la louve. Et Heinrich tout seul, hein, parce qu'on n'a pas trouvé ni ta mère ni ton père. Et... Ah non, hein. Ouais. Donc, t'es là tout seul. Ils sont tout beaux, tout pleins. Et vous voyez que la première chose va être l'échange des cadeaux. La première chose que va faire Heinrich, c'est qu'il va tendre une épée, une petite glaive. Si tu veux le montrer à tout le monde, ou sinon je le montre, Heinrich, sur le pont. Vas-y, mets-le. Ouais, super, merci. Ah, je le retrouve. Non. Non, non, mais je le retrouve en deux-deux, y'a pas de soucis. J'étais c'est juste que je sais pas où j'ai mis l'image. Ouais, je c'est juste que ça bug. Attends. Non, mais j'aurais pu regarder dans les messages. Donc là, vous avez l'épée, donc une jolie épée viking, très bien travaillée. Et en gros, en donnant son épée, il dit que il l'offre à la femme qui lui offrira son premier fils. Et cette épée représente le courage, la combativité de la famille et la première arme avec laquelle il prendra les armes pour la veste. À l'inverse, Elina va donner la tenue qu'elle avait avant de se laver. En le donnant à Heinrich, en disant qu'elle offre cette tenue à celui qui fera naître sa première fille. Et elle représentera la candeur, la naïveté, mais c'est pas la naïveté du tout, c'est la pureté, enfin la... L'innocence. L'innocence, merci. L'innocence de la première fille qui donnera sa vie pour la Vestaine en tour. Suite à cela, il va pas avoir d'échange d'anneaux, on n'est pas sûr, mais ils vont avoir des échanges, des espèces de bracelets, des bracelets de force faits de cuir. Évidemment, Elina, pour sa tenue, porte une cape faite en peau de loup. Pour les gens qui étaient là lors de la demande, c'est la cape de la demande de mariage. Et Reda va demander aux dieux si les dieux acceptent cette union. Elle va vous poser des questions. Oui. Donc j'imagine que Heinrich veut pas dire non, ça gâche la fin du scénario, ça serait chiant. Ouais, mais surtout ça gâche tout ce que je travaille et depuis les séances. Et en fait, non, c'était une blague. It's a prank, bro. La blague de très mauvais goût. Ouais, c'était une caméra cachée, il y a la caméra juste derrière. Et en gros, le ciel va s'assombrir. Ah, mais depuis le début, en fait, j'étais, comment il s'appelle, Joker, là, ou je sais pas quoi. Le ciel va s'assombrir, la foudre va être la seule chose qui va éclairer un instant l'hôtel. Et Reda va dire que les dieux autorisent ce mariage. Et elle vous demande donc, comme veut la tradition, d'embrasser la mariée devant tout le monde. Le bisou. Ah. Exactement. Le somme si les dieux disent non, quoi. Exactement, mais les dieux ont le droit de dire non. Je le dis. Ça peut arriver. Il y a des règles qui précisent quand est-ce qu'ils disent non. Mais ça va, il me semble pas qu'il... Les rites ont été respectés. Ni agressé, ni tout ça, donc ça va. Et suite à cela, vous allez aller dans le hall principal. Afin de lui manger... C'est quelqu'un qui mange des spaghettis, là, c'est pas un bisou. Oui, c'est difficile, après, avec la détection. Ouais. Bah oui, je sais. Voilà à quoi ressemble à peu près le buffet dans lequel vous allez être. Waouh! Vous êtes. Ah bah putain! C'est beau! Tous les gens qui ont participé à la chasse, plus tous les hommes qui ont participé à crapahuter, à arracher les conneries, vous allez avoir en fait quelque chose dans votre assiette, donc il y a un petit bout de viande de loup, voilà, quelque chose qui était préparé. Et après, vous allez.
vous allez vous délecter d'un très bon repas. La tradition veut, et là je vous prends par surprise vu que personne ne connaît la tradition, que chaque témoin raconte une anecdote ou un moment où ils ont rencontré, donc pour les hommes, le marié, et pour les femmes, soit le marié, enfin non, à chaque fois vous pouvez parler soit du mari, soit de la femme. Oh, parce que moi je la connais pas trop la femme. Ah, moi j'ai quelque chose à dire sur Henrich, hein, ça va aller vite. On va commencer par les femmes, et on va commencer par Gabriella. Et Gabriella va dire que Henrich est le premier homme de cette force carrure qui a accepté de jouer contre elle à un jeu où la force n'avait pas son importance. Et elle pense que grâce à cela, il est un homme sage et qu'il lui permettra de faire un bel homme de famille, enfin un homme de famille respectable. Ensuite, il y a Alix qui va parler en langage des signes et qui va dire que Elina, et là, elle va donner un fait de guerre lors de la bataille de Pozen, a su sauver 10 des chiennes de guerre grâce à son courage et grâce à un anneau qu'elle avait et qui indiquait la position des différents morts-vivants. Et elle se souviendra toujours de cette nuit où son ami. Lui a permis de voir le prochain lever de soleil. Les femmes PNJ vont continuer à donner des choses, plus sur Elina. Et ensuite, Delara, c'est à toi. Faut que tu racontes une anecdote, soit sur Henrich, soit sur Elina. Ouais, je vais donner l'anecdote sur le fait que Henrich m'a aidé à combattre mon tout premier esprit en tant qu'élu. Des dieux contre le Divide de la mer. Je peux parler de ça. Ok. On a pu parler du loup qui était en Elina et joint les deux, mais c'est oui. Très bien. Oui. Mais c'est très très bien. Et tu vois, les gens vont t'écouter. À chaque fois, il y a des applaudissements et tout. Et puis là, ils vont demander au tour de Francesca. Ah. Que raconter la parole. Bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais vous raconter un peu ma rencontre avec Henrich. Le jour où il m'est tombé un peu sur la tête. Je crois que ça a fait rire les gens. Et ce jour-là, quand même, je vais pardonner parce qu'il m'a sauvé la vie quand même un peu. Face à un bouffon, en fait. Bon, en tout cas, un homme qui porte un chapeau de bouffon. du coup, voilà. Mais du coup, c'était bien sympa de sa part. Merci encore et bel atterrissage. Ça va faire rire. Ah, ça fait rire l'assemblée là. Oui. Je m'étonne. Ah, faut dire que c'est pas n'importe qui se mettrait dans un canon pour se faire projeter. Ensuite, il va voir le côté des hommes. Le premier homme à prendre la parole, ça va être le Oli Oleonsen, qui va dire que il est fier que Henrich rejoint le rang des membres de la Vesten, car il a pu affronter divers monstres à ses côtés, divers ennemis de la Vesten, et il est rare pour lui d'avoir à ses côtés des gens qu'il peut estimer comme étant au moins aussi valeureux que lui. Ensuite, il va y avoir John qui va prendre la parole, même s'il ne fait pas partie des invités. Et qui va remercier Henrich d'avoir choisi d'être le tuteur, le mécène de sa fille. Remercie. Plaisir. Pour les gens qui ne sont pas au courant maintenant, vous l'êtes. Ensuite, vous allez donner la parole à Robert. Ouais, non, à Joseph d'abord, excuse-moi, Joseph. Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour, je m'appelle Joseph et je suis alcoolique. Toute la Damas qui s'en fout. Je vais la prendre, pas la boire.
Je vais vous parler d'un d'Enrich, un superbe combattant d'armes qui est en plus un ancien militaire comme moi dans l'Aizen. Je n'ai jamais vu un homme qui sait aussi bien se battre à l'épée qu'à réfléchir à des stratégies qui paraissent douteuses mais qui fonctionnent extrêmement bien. J'aime bien les compliments tacles, tu vois. C'est... Oh, mais je prends, y a pas de problème. Ce qui en fait un excellent compagnon de route. Et bah, tu vas être applaudi, hein, comme tout le monde. Ensuite, ça va être Robert. Ouf. Comment résumer Enrich? Comment voulez-vous, à part une simple anecdote, pouvoir entreapercevoir le personnage? C'est ce rock de l'Aizen qui vous rejoint aujourd'hui. Cette cette force de la nature qui a été à mes côtés sur des aventures majestueuses et rocambolesques. Comment puis-je juste le définir? Je dirais que si on devait le définir, ça serait le fait qu'il ait quand même plaqué un loup-garou de 3 mètres. Ah oui, tu vois que sa femme va rougir. Et que maintenant, il l'épouse. Je crois qu'avec cette simple... C'est un bon résumé. Je trouve aussi. Un bon résumé du courage et de la folie du personnage. Eh bien, croise les doigts, Robert, pour que je te plaque jamais, alors. Non, mais je suis déjà promis. Oui, je sais, je rigole. Ah, moi, je suis partageur, tu me plaques quand tu veux. Plaque-moi contre le mur. Et en gros, on va terminer aussi, par... il va avoir Sergueï qui va faire... voilà, qui va... Même s'il n'est pas là, il va faire une déclaration. Et en dernier lieu, il va voir toi, Alexander. On va te demander. Alors, Enrich. Je dirais que l'anecdote la plus marquante que j'ai concernant Enrich, c'est la première fois qu'il m'a vu purifier quelqu'un et qu'il a voulu me couper la tête. Malgré cette première rencontre, disons, désastreuse. Enrich, avec toutes ses aventures, je peux affirmer que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et qu'il ne laissera jamais tomber sa famille ou les personnes à qui. Donc, les gens vont applaudir. Reda va prendre le dernier mot de la fin en disant que il ne faut pas oublier qu'à Udville, que Enrich s'est fait un nom. Celui du rempart des opprimés. Et ces opprimés ont décidé de faire un cadeau. Et tu vas voir que tous les gamins qui t'avaient fait des machins, des choses comme ça, et ben ils vont venir déposer devant la table des doudous, des peluches, des gâteaux, ce genre de choses. Là, tu vois que je boue en fait, je retiens. et vous allez pouvoir voir que derrière, sur le côté, c'est ouvert. Et une fois que tous les gamins ont fait leur petit truc, ils vont allumer une espèce de lanterne. Et au milieu de la nuit, il va y avoir ça qui va apparaître un peu partout. Oh, c'est trop cool. Et il va y avoir plein de petites lanternes qui vont voler au-dessus du public et qui vont éclairer toute la ville. Et... on dit que, en gros, il va y avoir le Léo Léonsen qui dit que la fête durera jusqu'à ce que la dernière lanterne s'éteigne. Et voilà, tout le monde va se lever, applaudir, dire vive les mariés, ce genre de choses.
et tout le monde va se mettre à danser, à chanter et tout. C'est ce qui va se passer en tout cas pour le reste de la nuit. On lui donne pas ses cadeaux. Vous pouvez lui donner vos cadeaux, il va y avoir l'ouverture officielle des cadeaux. Oui. Plutôt que de faire voilà quelque chose où vous pouvez lui envoyer en MP, vous pouvez lui le dire au doigt. Moi, je l'ai envoyé en MP. Ça me dérange pas. Tous les cadeaux que vous avez dit, il n'y a aucun souci pour que vous les ayez. C'est pas un problème. Mais voilà, tu auras Heinrich que tout ce que tu vas pouvoir rajouter dans mon inventaire. Dans ton inventaire. Alors, l'inventaire. Alors, il y en a que tu pourras pas. Hein. Voilà, il y a des trucs que tu pourras peut-être pas te les trimballer. Genre mon cadeau, tu ne mets pas dans ta poche. Oh bordel ! Ah oui. Moi, je veux savoir c'est quoi. Bah, on peut le dire à haute voix en soi. Oui, vous pouvez le dire à haute voix, c'est pas un souci. C'est quoi ? Robert, il a encore offert une garde-robe ? Non. Oh, non. Tellement triste. Ah non, moi, ouais, de toute façon, drôle. Même s'il veut être discret, de toute façon, quand il m'offre le cadeau, il n'est pas discret. Mais c'est quoi comme cadeau ? C'est quoi ? C'est deux canons. De marine avec des embouts en comment non, la bouche du canon c'est une gueule de loup. Oh. Ok. Oh. Voilà. Donc un sur chaque bras. Ce qui me fait marrer, c'est que le cadeau de Robert, ça va que pour son navire. Ça c'est un bon cadeau montage noir. J'avoue. Oui, mais c'est mon canon. Il n'y a personne d'autre qui a le droit de l'utiliser. Ah bah, t'es canonnier, c'est ton canon celui-là. Il n'y a pas de souci. C'est mon canon. Côté. Voilà. Je croyais que l'amour c'était de regarder dans la même direction. Je comprends plus rien. Je t'enverrai mon cadeau par MP, Rich. Je vais pas pouvoir rester longtemps. Je me lève tôt pour me le prier à l'école demain. Il n'y a pas de souci. Je vais juste donner le. Parmi tous les invités, il y a un cadeau qui a un peu de valeur. Je dis pas que vos cadeaux n'ont pas de valeur, mais qui ont une valeur. Non, mais c'est bon, on a compris. Oli Oli Olsen, qui est dans son armure, va retirer en fait une de ses épaulettes et va la mettre sur l'épaulette de Heinrich. Oh bah oui, ça a beaucoup de valeur. Voilà, c'est une valeur symbolique. Cette marque de respect. Oui. Et il va offrir un autre truc à Elina, mais voilà. Le cadeau que tu vas recevoir de lui, c'est ça. Bah, décidément, je suis gâté. Hein. Vas-y, chiale ta mère, moi. J'aurais bien fait un petit discours. Hein. Bah, tu peux. Le discours. En vrai, j'allais juste dire un truc du style que, bah, comme il a été aperçu bah, au cours du mariage, c'est que bah, forcément, je me suis présenté seul parce que bah, j'ai plus de famille. Le temps et malheureusement, les événements font que. Mais que je suis heureux qu'il y ait toutes les personnes à qui je tiens qui sont présents au mariage et donc je suis content d'officiellement ben, voir que ma nouvelle famille elle est là. Oh, moi je pleure. Hein. Moi je pleure. Moi je pleure. En tout cas, voilà, la soirée va bien se passer et tout. Tu vas recevoir beaucoup d'argent, je te dis clairement. Tu auras une grosse enveloppe de thunes, vu que aucun Villanova te connaît. Ils ont tous demandé à Roberto ce qu'ils pouvaient t'offrir. Ils ont tous donné des sous. Oui, voilà. c'est le cadeau de la tante qui sait pas quoi t'offrir. Tiens, voilà un billet. Ah, maintenant, tu possèdes des thunes. Ouais. Là, c'est fait beaucoup de thunes quand même. Exactement. Exactement ça que décale. En tout cas, tu peux considérer que ta richesse 4, mais voilà. en une seule fois. Quoi. Pas mal, putain. Oh putain. Ouais, c'est une belle somme. Eh ben. C'est comme si on t'avait donné. C'est un peu comme si on t'avait donné 50 000 euros, tu vois. Oh. Ah oui. On m'est fait croquer. Et oh, tu te calmes, t'as qu'à te marier, toi. après ton mariage, c'est bon, hein, y a plus personne qui se marie, là. Bah si. Bah si. Non. Demain, il y a un autre mariage. Et qui sera beaucoup plus... Non mais demain, il y a un mariage, il est encore plus friqué que le mien. Ouais. Ah bah, Villanova, la fille, putain. Le tien, c'est pas le fric, c'est l'émotionnel.
Oui, voilà. Oui, mais tu vois, l'émotionnel, ouais, l'émotionnel, voilà, il a pas de prix. Bah oui, c'est pour ça. C'est le plus important. Oui, c'est important. Bah oui, c'est le plus important. Le mariage de demain, putain qu'il a un prix, lui, hein. Voilà. Et d'ailleurs, Roberto va vous présenter sa nouvelle femme. Et va vous présenter une fille Naferi qui n'est pas Delara. Tous les gens qui... Tu fais bien préciser. Ouais, c'est ma sœur. Tous les gens qui ont de l'étiquette, merci de me faire un... Dites-le-moi en MP. Non. Je crois qu'il n'y a que Robert qui en a. Mais, de l'étiquette quoi de, voilà, il me semble bien. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a sur les cadeaux, c'est qu'il y a marqué pour mon cher Henry. Ouais, c'est là où il y a le nom. Ouais, c'est là où il y a le nom. Ouais. C'est ça. Robert... Bah, il doit me rester dans les poches. Dit que elle a noblesse moins 2. Ah oui, d'accord. Non, voilà. Mais t'inquiète, c'est ma sœur. Elle va avoir tout à apprendre. Bah, en tout cas, en tout cas, apparemment, ça serait la sœur de Delara, mais vous la connaissez pas. Delara, elle est enchaînée partout, apparemment. On connaît le daron. Hein. Ah, vous connaissez le daron. Oui, voilà, c'est ça, surtout. Une génie dans chaque port, hein. Et vous voyez que genre, bah, elle connaît Delara, elle va la voir et tout, mais et voilà, vous savez, enfin, c'est pas d'où, enfin, j'allais dire d'où ça sort. Vous savez pas d'où elle sort, quoi. Mais bon, d'un autre côté, ouais. Delara, ah pas si, que... je sais d'où elle sort. Après, tu vois, voilà, et ils vont se marier. Par contre, je vous annonce que le mariage sera, enfin, beaucoup plus simple que celui-ci. Oui, bah. Ouais, mais celui dernier, c'est mieux. Oui, mais... voilà. Mais en fait, clairement, le mariage que vous allez assister le lendemain, il va être très simple. Ça va être beaucoup de... Ça va faire râler énormément de gens Villanova. Le moment du baiser d'amour entre les mariés, en termes d'émotion, il est à moins 2. Ah, t'as un petit smack. Lui aussi, il doit apprendre. Il est... Ouais, il y a pas... Enfin, ça transpire pas... Ouais. Ça transpire pas à l'amour. Ça sent le mariage. S'il y a des gens qui ont de la vigilance, vous pouvez mettre votre plus grosse caractéristique. Sachant que vous avez gagné votre point de caractéristique avec le mariage de Heinrich. Ça marque une chance. Vous pouvez mettre votre plus grosse stat. On s'en fout. Vous pouvez mettre, si vous en avez la 4, mettez 4. On s'en tape laquelle c'est. Plus la vigilance, et si quelqu'un a 4 succès, vous me le dites, je vous donnerai une info. Delara, tu n'as pas besoin de lancer ce jet de dés, tu sais déjà l'info. Attends, j'ai pas suivi. Ouais, bah j'ai fait quand même 4 succès. Voilà, bah c'est parfait. j'ai pas en suivi. En vigilance. Ouais. Quoi, en vigilance? Toi, t'as besoin que de 3, parce qu'il t'a parlé un petit peu avant. Oui. Vigilance, vigilance et plus grosse stat. Et ta plus grosse stat. John, oui. Le point de Karak qu'on a... Oui. J'ai de le mettre. On peut pas faire en sorte qu'une compétence dépasse 4. C'est pas non. Une compétence, c'est une pointe de caractéristique. Ouais, oui, on peut pas faire en sorte qu'une caractéristique dépasse 4. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir 5 dans un truc. Dommage, j'aurais bien tenté le 5 en résolution. Okay. Moi j'ai passé mon astuce à 3, du coup. Vigilance. Alexander, tu as fait 1, 2, 3, 4. Francesca, tu as fait 4. Henrich, moi, c'est bon, tu vas le voir, Robert, t'as fait 3,5. Et Joseph, tu le sais pas. Non, vous voyez que le marié est beaucoup plus intéressé par un homme dans l'assemblée que par sa femme. Un homme random ou un homme en particulier? Bah, un homme qui fixe pendant toute la cérémonie. J'essaie de voir qui c'est aussi. Cool, je suis son gars. Bah... C'est un homme Vodach, mais qui n'est pas un Villanova. S'il est Vodach, je demande à Gabriela si elle a une idée de qui ça fait. Elle te dit qu'il fait partie d'une famille de petite noblesse, son nom, et qui sont réputés pour être des très bons gardes du corps. Ah. Ok. C'est tout. Vous allez rencontrer personnage haut en couleur
Surtout si vous êtes des femmes. Je sais qui c'est. Oh là là. Et si vous avez une femme, elle va forcément... Mais en gros, il y a quelqu'un qui va passer à travers les rangs, aller voir les femmes et proposer ses services de escorte ou de au gosse Villanova. Ouais, c'est un bon nom, exactement. Ouais. Et j'ai mangé son prénom, ça m'énerve. C'est Scotto. C'est Scotto. Scotto Villanova. Et, ah, il me manque, Esteban. Et il n'y a pas du tout hésité à aller voir genre Elina, Gabriela. Oui, alors Gabriela. Même la Louve, tu vois, il n'y a aucun problème, tu vois, il va mouiller le maillot. Il va le mouiller fort quand il va sentir ma présence derrière lui. Il va te dire qu'il est simplement marchand de bonheur. Si madame dit oui, c'est que. Marchand de bonheur. Ouais, je lui en ferai, j'ai beaucoup de bonheur à lui offrir s'il veut. Il adore recevoir, mais que de la part des jolies femmes. Oh, mais il va recevoir aussi de ma part, t'en fais pas, hein. Oui, Aline, y a pas de... Et en gros, bah, vous allez voir que le mariage... Oui, il va tellement câbler, oui. Lance-moi un des 100 d'ailleurs. Non, pas 100. Non, non. Putain, passant, pitié. Ok. Non, pas fait ça. Dommage, ça aurait été drôle. Non, ça aurait pas été drôle. À 100, il y a un esprit d'affarade qui sort. Bah, ça aurait été drôle. Non. En plein mariage, c'est rigolo. Ça va, on a déjà eu une histoire de bébé kidnappé en plein mariage, ça va, hein. Je réponds MP. En tout cas, voilà, vous allez passer une soirée qui est beaucoup plus cool. Et par contre, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est que, et que Roberto, il est là, il va regarder Enrich, et lors du banquet, il va venir à votre table, et il va se poser un peu genre, bon, comme vous avez l'habitude qu'il se pose, en n'ayant rien à foutre de l'étiquette, et en regardant Enrich, en disant si vous avez fait votre choix, parce que bon, il aimerait bien rentrer au pays quand même. C'est beau parce qu'en disant ça, ça veut dire qu'il a un espoir d'être choisi quand même. C'est beau. De quoi, pardon? Bah, il y a Roberto qui vient, tu vois, qui vient à ta table. Et tu vois, qui va s'asseoir, il va mettre les pieds sur la table, tu vois, histoire de bien montrer que l'étiquette Villanova est très différente de la vôtre. Et il va te demander si ton choix a été fait parce qu'il aimerait bien quand même rentrer dans un vrai pays. Dans un vrai pays. Alors, je vais gentiment pousser ses pieds sur la table et je vais dire oui, mon choix est fait. Ah ! Et c'est quand l'annonce ? Et c'est quand l'annonce ? Ouais. Eh bien, il faut que j'en discute avec mes amis, mais... Donc là, si vous voulez que je vous aide à débattre, sachez que j'ai des informations sur tous les candidats. J'en ai aucun doute. Si nous prenions un temps, du coup, pour que l'on en discute calmement. Eh ben, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Vous savez, ce mariage est terminé maintenant. Regardez, il te montre l'anneau, il le porte... Enfin, tu vois, ils ont un anneau, et il l'a même pas au doigt. Oh, putain, y a vraiment aucun effort, là. Je vais lui filer un petit coup de pied, tu sais. Quand même, tu pourrais faire un effort. Oui, bon, il va le remettre, tu vois. Voilà, je suis marié.
Ouh, vive les mariés. Bon. Je vais le voir. Toutes mes félicitations. Sois sympa avec ma sœur. Je ne suis pas un homme farou. Bien. Donc on va... Descoto endroit... va m'aider, je crois. On va à un endroit calme entre nous. Hein. Bon, s'il veut être là, il est là, mais... Je veux pas que Nicolas il regardera quand même, tu le sais très bien. Oui, je sais très bien qu'il regardera quand même, donc autant qu'il soit là, au moins il pourra me partager ses infos. Ok. Est-ce que du coup bah, tout le monde a pu voir les réponses suite aux, aux entretiens qui ont été passés? Oui. Dites-moi donc la préférence que vous avez parmi les trois candidats. Et je vous donnerai la mienne. Hein, et c'est histoire d'en débattre ensemble pour, bah pour faire un choix. Comme je l'ai écrit, moi j'ai une préférence pour la deuxième. Moi j'avais mis mon vote, je crois que j'en sais que j'avais une préférence. Toi tu as mis sur le troisième candidat, Lucura. Ouais, mais en plus comme j'avais dit à bout, parce que j'avais juste mis un vote. C'est pas en rapport à sa nationalité ou quoi, enfin j'ai pas beaucoup de temps pour en discuter. Mais c'était plus par rapport aux réponses qui ont été posées, enfin aux réponses qui ont été données aux questions qui ont été posées sur les différents capitales. D'accord. Alors je vais relire vite fait. Parce que je crois que mon choix s'est surtout posé sur là, si vous la façon de gérer les conflits. Oui. En tout cas, Roberto, il peut vous donner un Dark Secret sur chacune des personnes si vous le souhaitez. Bah oui. Alors, je veux bien avoir le Dark Secret de Lucurade juste avant d'aller dormir parce que je vais aller faire dodo. Et bah, tu sais que lorsque dans sa maison en Usura qui a été attaquée, la seule personne qui n'a pas défendu, c'est lui et il s'était caché dans une armoire. La pute. C'est ce que j'avais dit. Bah après, sa maison a été attaquée par quoi? C'est un pleutre. Bah, ça dépend. Alors, calmez-vous. C'est pas parce que il a son instinct de survie de se cacher que. C'est ça. Voilà. Chacun réagit à sa manière face à la mort, quoi. Je vous dis juste. C'est surtout qu'il y a un moment quand tu sais que tu peux rien y faire, tu te caches. Je vous dis juste ce qui s'est passé. Non, mais on Répond pas. Vous voyez que Roberto, il y met aucun jugement, tu vois. Ouais. Donc comme je disais, c'est pas pourquoi pirate... il a été attaqué. Ouais. Je donne les trois. Ouais, vas-y. La pirate, on sait qu'elle a déjà volé dans la caisse de la société. Ou ouais, alors ça, pour moi, c'est non. C'est chaud. Hein. Si ça, mais on peut pas faire confiance là-dessus. Mais quand on lui a... Enfin, quand les conservateurs lui ont... gentiment fait remonter, elle a fait « Ah, mais c'est parce que j'avais oublié de remplir le formulaire. » Enfin, voilà. Ouais. Et la nana qui vient de KT, la seule info qu'il a, parce que malheureusement, pour le coup, il en a peu, c'est que elle se serait fait virer de son clan à cause de sa diplomatie qui, des fois, apparemment, pourrait... être un peu trop franche, ou en tout cas pour le pays de là où elle vient. Moi, je ça confirme encore plus mon choix sur le Sura. Ouais, moi, je suis plus sur le Sura, si. Ouais. Je vais pour Roberto. Alors, non. Alors là, tu vas te faire des ennemis. non, c'est pas ça. C'est. Bon. Roberto, c'est pas possible. j'en ai déjà discuté avec lui en privé, c'est pas possible. Oui, il a pas envie. Donc c'est le parfait candidat. Oui, mais non. Pourquoi non? Parce que non. Vous entendez pour la première fois Roberto qui fait non. Non, s'il vous plaît, non. Oui, mais moi je la regarde avec un grand sourire. Voilà, c'est bien ce que je disais, c'est pour ça que c'est parfait. Mais alors, heureusement que c'est pas vous qui choisissez, Robert... du coup. Roberto, c'est pas pour... Il a quand même son mot, tiens. De quoi? Pourquoi vous avez postulé si vous ne voulez pas? Alors, je t'expliquerai, Joseph. J'ai un nom de famille, des choses à respecter.
Dans tous les cas, l'intéressé, il a dit non. Mais j'ai fait une belle présentation pour être refusé, morte de cul. Oui, oui, belle présentation. T'inquiète pas, Roberto. Putain, moi je sais pas, mais moi j'ai. Enfin, j'ai un. Mon idée! Moi je l'ai. Oui, non, mais alors ton idée elle est pas réalisable malheureusement. J'aurais aimé parce que tu avais marqué un. Enfin, pour le coup, les trois se complètent, hein, des points de vue où. Si et tu fais un jury. Pouvoir se surveiller. Moi je dis juste pourquoi Lucheran et je vais me coucher. Et après vous vous débrouillez avec vos votes. Moi Lucheran c'était plus par rapport au fait que déjà ils comptent pas changer la structure de base par rapport à notre organisation. Ça me plaît beaucoup. Parce qu'on a quand même un fonctionnement relativement rodé qui a déjà fait ses œuvres, enfin qui a déjà fait ses preuves. Par rapport au système de rang et des shows. Ensuite, ce qui m'avait plu aussi, c'était sa façon de gérer les conflits, que ça soit au sein de la guilde ou en terre. Le fait qu'il n'y ait pas juste une personne qui va décider de tout et que ça soit plus qu'une discussion entre plusieurs personnes avec des avis et des votes. Alors, en vrai, ils ont tous proposé ça. Oui. Ouais, alors... Ils l'ont proposé de manière différente. Mais oui, voilà, c'est ça. Ils ont tous proposé que ce soit un groupe. Tiens, juste à le dire. Ouais. C'est... Ah, autant l'officialiser dès le départ. De quoi? Mon idée. Non, mais ton idée, c'est pas réalisable. Tu ne peux pas prendre trois personnes. Si ton idée c'est Roberto, ça se discute. Si ton idée c'est d'avoir les trois, c'est pas possible. Et j'avoue que c'est une bonne idée d'avoir les trois, mais non, c'est pas faisable. Après, par rapport, enfin, après c'est mon avis aussi, hein, mais c'est con. Hein, mais entre ce qui s'est passé actuellement, on est dans une phase de calme et tout ça. Moi, je sais pas, mais la manière dont sont dites les choses, j'aime beaucoup l'explication de la Valonienne. Même si, bon, elle a ses défauts, on le sait. La Valonienne, c'est la pirate. C'est la pirate qui pique dans les caisses. Ouais, exactement. Moi, ça me plaît pas qu'on puisse pas lui faire confiance par rapport à l'interne. Bon, en fait, de base, c'était pour la pirate aussi. Maintenant. On sait qu'elle a déjà volé dans les caisses. Plus réticent à son niveau pour elle. Lucera. Après, on sait pas quand est-ce qu'elle a fait ça aussi. Oui, voilà, en fait, ça dépend trop des circonstances. Donc, est-ce que c'est quand elle a pris les pouvoirs et. Mais il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de quand est-ce. À partir du moment où elle a volé, c'est un problème. Elle a volé la société. Oui, bah elle a volé aussi quand elle a bu dans le calice de la reine d'Avalon. Mais voilà, mais on peut pas lui faire confiance. Alors calme-toi. C'est pas parce que elle a fait ça que elle est pas fidèle à la société. Si. On sait même pas pourquoi elle a pris cet argent. S'il faut cet argent, oui, elle l'a utilisé par des fins pour des fins de la société, tu vois. Alors quand il. Quand il parle de la caisse, on parle pas d'argent. On parle d'objets. Non, il parle des items. Oui, on parle d'objets magiques. Ouais, mais même. Ce qui est encore plus grave. Je veux juste te préciser. Je n'y mets pas de jugement ou truc comme ça. Je dis juste, voilà. Elle a été réprimandée parce qu'elle a pas rempli le formulaire. Elle s'est servie, elle avait besoin d'un truc pour une mission, et voilà. Elle s'est fait rattraper, elle a pas fui non plus. Ouais, mais enfin, elle a quand même dit, oh là là, j'ai oublié de remplir le formulaire. Hein. Ouais, mais. Non, mais moi, je suis d'accord avec Alexandre. Moi, j'aurais dit pareil, mais bon. Mais t'avais oublié de remplir le formulaire? Bah. Si ça. Étourdi comme je suis, j'aurais été capable de prendre l'objet et d'oublier de remplir le formulaire, oui. Oui, mais toi t'es étourdi. Ça, c'est que je sais écrire, donc. Oh putain. Oh là là.
Non, mais enfin voilà, le truc c'est que il faut pas non plus diaboliser. Si elle était, si c'était vraiment une voleuse, si c'était quelqu'un de malhonnête, elle se serait fait virer de la société depuis longtemps. Oui, surtout, voilà, c'est ça. Et puis surtout, en fait, si elle avait fait ça de manière véritablement discrète, elle se serait pas fait attraper. Aussi. Donc voilà, il faut pas diaboliser. Parole, moi je vous laisse. Bonne nuit. Du coup, par contre, les valeurs de famille, d'entraide, etc. de la deuxième, tout le monde s'en fiche. Le truc, c'est désolé, que la première, la première chose dont elle a parlé, c'est les objets. Bah, le truc, c'est que je trouve que tu stigmates vite, mais bon. Mais c'est une voleuse qui en a un. Tu vois, tu stigmates vite. De... Voilà. Bon, bah, du coup, alors si elle, c'est une voleuse. Non, je vais dire des choses, ça va être méchant. Vas-y, dis. Essaye, dis-le. Mais pour moi, ouais, le truc, c'est que. Bah, y a... Ce que je veux dire, c'est que tu stigmatises du point de vue où t'en apprécies une, donc l'autre c'est une voleuse et l'autre c'est un couard. Donc en fait, t'as besoin de renier les deux autres pour confirmer ton choix de la KTN. J'ai rien contre la KTN, hein, mais t'as pas besoin de diaboliser les deux autres, quoi. Mais je diabolise pas les deux autres, je dis la vérité. Sûr que si. Bah non. Ou sinon, tu t'arrêtes juste aux infos qu'on te donne, quoi. Tu les analyses pas. Mais après, bon, j'ai compris, hein, ton choix que c'était la deuxième, y a pas de soucis. En tout cas, si j'ai suivi les votes, enfin, si on peut parler de vote. Henry, je sais pas où tu votes. Delara, t'es plus pour la KTN. Alexander est plus pour le mec du Tura. Ouais. Et Francesca, Robert et toi, ben je sais. Et Joseph. Moi, ça serait quand même la pirate, je pense. Ouais, moi ça serait la pirate aussi, au final. Moi je fais totalement confiance à Heinrich. J'en étais sûr que t'allais dire ça. Je sais que de toute façon il fera le bon choix, il l'a toujours fait. Heinrich, le destin est entre tes mains, à toi de choisir. Ton vote compte double, donc c'est toi qui choisis du coup. C'est pas son vote qu'on double, son non, vote. Non. Oui, mais... Il n'y a que oui, son vote qui compte. Oui, en soi, il n'y a que mon vote qui compte, mais je vous demande votre avis parce que ça me paraît pas juste de pas vous le demander. Mais voilà. Mais le truc, c'est que moi, j'ai eu mon. Après lecture et relecture, je. Pour moi, c'est la Valonienne qui correspondrait le plus au contexte de la Vesten, en fait. Parce que elle va prendre le truc d'une poigne, elle va utiliser les routes commerciales, elle va vraiment avantager la guilde pour qu'elle grandisse et qu'elle se développe. Et socialement, elle aura quasiment pas de travail à faire puisqu'on a déjà tout réglé. Tu sais ce qu'il faut faire du coup. Si pour toi c'est ce vote là quand même. Donc c'est la Valonienne. Pour moi c'est la Valonienne, ouais. Ok. Eh ben, vous allez annoncer la Valonienne. Les trois autres vont rentrer chez eux. Et je vous dirai les nouvelles règles de la guilde avant la prochaine semaine. La Valonienne. Oui, la pirate. Ah, la pirate. Elle est d'Avalon. Après, peut-être que c'est parce que Abigail elle est avalonienne, donc du coup j'aime bien recevoir des ordres d'une avalonienne. Je sais pas.
à savoir. Mais voilà, je vous donnerai les règles de la guilde avant la prochaine non, séance. Okay. Voilà. La suite de l'aventure, ça va être donc de splitter les gens pour faire des groupes plus petits. On va peut-être plus se foutre d'un truc qui va être de par rapport au temps. Ouais, voilà. En gros, il va y avoir plusieurs trucs qui vont avoir lieu en parallèle. Dans les trucs, il y a une aventure entre la Perse et Nouma où vous allez devoir rechercher votre navire, le El Cazador. Il y a quelque chose qui va se passer plus en Perse, qui est la chute. Vu qu'il y a la guerre actuellement qui a été déclenchée un peu par la Vesten et ce genre de choses, jusqu'à la Chucha, donc régler cette guerre. Et il y a récupéré la capitaine Abigail dans sa joule en Amérique du Sud. Okay. Par rapport aux histoires, vous pouvez. En gros, je vais faire des votes. Je demanderai que soit vous votez pour Nouma, soit vous votez pour l'Amérique du Sud. Donc ça, sera une histoire qui, ça sera deux histoires qui seront un peu plus chill en termes de, ça sera une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction des disponibilités de chacun. Donc les gens qui ont des disponibilités, on va dire plus cool, voilà, n'hésitez pas à aller sur l'un ou sur l'autre. Et en plus, toutes les semaines, je pense qu'on va faire le truc avec le chat et la guerre justement. Alors c'est pas parce qu'il y a le mot guerre que ça sera de la bataille. Mais ça va être essayer de résoudre ce conflit-là. Et vous pouvez évidemment... En fait, c'est pas parce que vous choisissez ça que vous pouvez pas faire les autres. C'est juste... vous avez le choix entre Nouma et l'Amérique du Sud, en gros. Et si vous pensez que vous avez suffisamment de présence, si vous voulez faire de temps en temps deux séances par semaine, vous pouvez aussi voter pour la Perse. Et après, en fonction du nombre de votes, on verra pour organiser les groupes. Ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que tout le monde a compris? C'est genre, oui. C'est la Perse, ça va être le mode un peu plus hardcore pour les gens qui sont plus là et tout ça. Qui ont plus de dispo, ouais. Ouais, plus de dispo en fait, c'est pour... Parce que des fois j'ai genre plein de gens dispo en début de semaine, mais tu vois, on est obligé d'attendre d'attendre la fin de semaine et tout. C'est pas... Enfin voilà, il n'y a pas forcément d'importance après en termes de lieu et tout. On joue des histoires et le but c'est que tout le monde s'amuse et voilà. Mais c'est histoire d'avoir un truc où il y a des gens qui sont souvent dispo et qu'il n'y a pas on risque de pas pouvoir jouer parce qu'il manque machin, il manque truc. Voilà, histoire que... Et puis un mode un peu plus chill où on fait en fonction des disponibilités, on avancera quand même. Mais voilà, s'il y a une semaine où il n'y a pas, on va pas, ce sera un drame. Mais... Ok. Est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Non, ouais. Oui. Je vous annonce quand même qu'en ayant choisi la Valonienne, sur le fait que sa priorité c'est les objets magiques, si vous souhaitez rester dans la guilde du Dvik, il va falloir que vous lui envoyez au moins un objet magique par mois. Voilà. Ça va aller. Sinon, vous perdrez un rang. Ok. En sorte. Moi, c'est la migraine de maison. C'est la première règle qui va être instaurée par la. Nouvelle responsable. Voilà. Ils avaient tous un peu une règle comme ça qu'ils allaient mettre. Mais voilà. Tac, tac, tac. Bah, j'espère que vous êtes bien amusés. Oh, oui. La séance ce soir. Et cool. Voilà. Tac. Oui, voilà. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, des choses comme ça, vous n'hésitez pas, hein, MP. Tout moi, ça, ça marche. Voilà. Ok, moi je vais porter tous mes cadeaux de mariage maintenant. Ouais, voilà. Exact, ouais. D'ailleurs, si tu veux faire la liste, tu pourras pour les gens. Moi je les ai eu tous, mais voilà. Ouais, je vais. Déjà, je vais me les marquer dans mon inventaire.
Même si je les porte pas sur moi, mais... Bon, t'as intérêt à porter le mien, déjà. Oui, non mais ça va, le tien il est facile à porter, comme celui de Lara. Et le mien aussi. Mais bon, oui, c'est... un collier, un bracelet, ça va aller, c'est juste que... Une broche. Une broche, pardon. Ah. Mais c'est plus facile à porter qu'une paire de canons, quoi. Mais même le mien, une peinture, bon, c'est un peu chiant à transporter, quoi, aussi. Bah, c'est sûr que c'est surtout qu'en me promenant avec, j'aurais peur de l'abîmer. Donc, au pire, il aura sa place au-dessus de mon lit dans ma cabine. Ça ira très bien. On voit quand même la différence entre les meufs qui offrent des bijoux et les mecs qui offrent d'autres choses. Hein. Bah, ouais. Non, moi, j'ai une peinture faite par mes mains. C'est vrai. Attends, il m'a offert un joli tableau de moi qui embrasse ma femme. Oh. Avec un dragon Dyson et un loup de Vesten. Ça va, hein. Trop mignon. Parce que oui, Joseph est aussi peintre. Oui. Et oui. À ses heures perdues. Malgré sa carrure, c'est un peintre. Et qui amène sa fille en mer aussi. Et sa fille qui devient surpuissante d'ailleurs, hein. Et là. Pas content. Le sel est en toi. Non, je veux changer de maison. Ah oui, je savais qu'elle était salée. Bah oui. Ah mais alors, Delara, elle s'est barrée et elle a pris ses bateaux et elle s'est cassée. Ni au revoir ni merde. Ok, bah ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir, pas de problème. Si tu ne peux pas écouter ce que disent les autres, c'est pas de problème. M'en vais à mon mariage. Je ne serais pas invité. Non, je rigole. C'est pas grave, hein. Tant pis. Oh wow. Si tu veux pas de nous, ben on va pas se forcer. Hein. Tu te rends compte de ce que c'est que de ramener un objet magique par mois? Mais ça va. Énorme, hein, par mois. Mais attends, on en récupère à l'appel les objets magiques, ça va aller. Tu en récupères à l'appel? Bah oui, mais on est un équipage, j'en ramène un et ça vaut pour tout l'équipage. C'est un chacun. Ah non, c'est un chacun. Quoi? Oh, mais faut pas qu'elle abuse non plus. Voilà! Voilà! Putain, je vous l'avais dit en plus, mais y'a personne qui m'écoute. Tu fais des stigmatisations. En vrai, je suis assez surpris de ce choix. Moi, Jonathan et Michel. En vrai, je pensais. J'avais tourné le truc pour. Il me semblait que le choix évident était la KTN. Oui. Mais apparemment, elle plaît à personne, donc c'est pas grave. Hein. Mais... C'était mon deuxième choix. Mais je sais pas, j'ai eu un truc avec la Valonienne, j'aimais bien. Ouais, mais pas de soucis. T'aimes bien les volages. Pas de soucis. C'est pour ça que j'aime bien Delara. Et en vrai, Robert, l'idée de Roberto, c'est la meilleure idée. Oui, je sais, mais Roberto, c'est pas possible. Mais Roberto, il a pas envie. Il a pas envie et voilà. C'est pour ça que c'était le meilleur choix. Malheureusement, on pouvait pas le forcer, quoi. Non, mais tu m'en avais parlé hors RP, John, mais seulement oui. Je voulais pas être influencé par rapport à ça. Bah non, mais après, si les gens auraient suivi Robert, j'aurais suivi le truc, y a pas de soucis. mais Roberto aussi, il avait pas le choix, il a postulé. Si tu dis que c'est lui qui a gagné, il a gagné. Ah d'accord, ok. Ah. Mais il a pas envie de gagner, c'est pour ça qu'il a... Je vous explique, parce que j'en avais parlé un peu, on s'est vu avec Pichon. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est odieux et qu'il a mis qu'il a mis de la thune. D'accord. Et tout. Il a su que c'était un Aizen qui devait faire le vote, et donc il a fait tous les choix qu'un Aizen déteste. C'est ça. Juste parce que... Moi, parlait de mort vivant, et puis c'était bon, hein. Ouais, voilà, genre... Bah, je pense que c'était l'étape d'après, tu vois, genre... Non, mais j'ai une cousine, elle est morte et tout, maintenant on lui parle, elle est sympa et tout. Mais en fait, voilà, Roberto, il a un nom, et malheureusement, son nom fait que on lui oblige un peu à devoir postuler, mais il a pas envie. Il a pas envie d'être responsable. Lui, il fait sa vie dans son petit coin, et par contre, pour les gens qui sont passés rang 4, vous pouvez le compter comme... Enfin, vous pouvez le mettre dans vos contacts. Il y a aucun problème, il vous aidera. Même vous pouvez tous le mettre dans vos contacts pour les gens qui l'ont un peu apprécié. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai qu'on s'y attache un petit peu quand même à ce petit Roberto, quand même, à force de le croiser. Oui. Mais après, si tu le connais un peu sans son masque, il est en plus. Enfin, je sais pas, Heinrich, ils ont parlé un peu sans son masque, je pense qu'il a plus apprécié. Oui, sans son masque, ça va, j'ai un peu moins envie de lui mettre des claques.
Non, mais il est adorable. Oh, bah si c'est un peu moi, alors ça va. Francesca, faudrait que tu choisisses un rôle, t'es rang 3 dans la société. Tu te souviens, je t'avais dit. Quoi ? Quoi ? Ouais, voilà. Quoi ? Attends. Parce que là, en fait, moi, je viens de capter seulement que tu avais dit aussi qu'au moment du mariage, je pourrais gagner ouais, un point. Ouais, tu gagnais un point, ouais, c'est ça. Du coup, là, je suis en train de choisir. Max 4, je pense que je vais mettre... C'est-à-dire que t'as pas envie de mettre astuce 5, mais tu peux mettre ouais. ton point où tu veux. Voilà. Ouais, je vais mettre... Et en fait, c'est moi ouais. qui vais sur ton détail, là, tu vois, je t'embête un peu. Ouais. Tu vois, t'as... En fait, dans la société secrète... Ouais. En fait, tu vas avoir un rang. Tu sais, je t'en avais parlé, il y a les conservateurs, il y a les... Il y a plusieurs rôles comme ça, et il faudrait ouais. que tu choisisses, en gros, ton rôle au sein de la société. Donc il y a plusieurs rôles, il y en a qui ne te vont pas, hein, genre garde du corps ou marin, ça me semble pas être ton truc. Mais en gros, parmi les trois qui peuvent être ton truc, il y a archéologue. Ouais. Donc archéologue, tu étudies les cartes et les nœuds magiques. Et ton but, c'est de guider les gens vers des lieux où il y a potentiellement des objets magiques ouais. et des lieux de pouvoir. Le deuxième truc, c'est ce qu'est Alexander. Alors, attends, je vais ouvrir sa page, parce que je sais plus exactement comment ça s'appelle. Hop, il y avait Anna aussi qui avait ça. Est-ce qu'elle l'a mis ? Elle est prospecteur. Mm-hmm. Donc en fait, les prospecteurs, eux... Leur boulot, c'est d'aller récupérer justement les objets magiques, les récupérer là où les archéologues en fait leur ont dit où il y en avait potentiellement, ou de par des missions, tu vois. Mm-hmm. Et ensuite, ils les donnent aux conservateurs, et les conservateurs, eux, c'est des gens qui vont étudier les objets magiques, faire des fiches un peu pour dire ce qu'ils font pas, et tout ça. Mm-hmm. Et ils ont la charge et la responsabilité de stocker les objets magiques et de les mettre en sécurité pour les plus dangereux. Ok. Voilà. En gros, je vais te conseiller l'un de ces trois trucs par rapport à ton personnage, vu que les deux autres sont très spécifiques. Bah, le premier était bien. C'était quoi déjà ? Archéologue. Ok. Donc, tu sais plus voyager, ouais, étudier des lieux. Les archéologues, pour. Il fait partie des gardes du corps. Non, de quelle maison ? En quoi ? Je te dirai après, je sais pas. Et en gros, en tant qu'archéologue, tu vas avoir une carte, une boussole et un collier, c'est ça, hein, Robert ? Ouais, carte ça. Et boussole et collier, ouais, tout à fait. Ouais. Donc ton collier te permet de traverser toutes les portes, uniquement les portes. D'accord. Ok. Tu vas avoir une boussole qui permet d'aller... En gros, si. En gros, tu. La boussole de Jack Sparrow. Ouais, oh, c'est ça. Oh, trop bien. En gros, tu indiques un endroit et elle te guide un peu où tu vas. Et en gros, tu vas avoir la carte. Quand tu vas arriver dans un endroit, elle va dessiner un peu. Ça met du temps, mais elle va dessiner les lieux. Mm-hmm. Et après, elle va indiquer là où il y a des flux magiques. Ça prend du temps. C'est pas instantané. Ouais. Mais ça permet de faire ce genre de choses. Et Robert, toi, tu peux rajouter que tu as comme allié. Alors, c'est dans l'histoire, je crois. Je sais plus. Je sais plus où c'est. Non, c'est dans les détails, hein. Dans les connexions. Dans les. Oui, dans les connexions. Ouais, dans les connexions. C'est comme tu veux. Ah oui, en bas. Oui, Roberto Villanova. Ouais, parfait. Et t'es rang 2 avec lui. C'est pas important. C'est juste que, voilà, je vous le dis. En gros, 2, si vous êtes une connaissance, il te connaîtra, il te répondra. Ah, ben ouais. La toute nouvelle chef de guilde. Elle va prendre pour l'enrichissement de la société. Mais un objet magique par mois, elle va faire fuir tous les membres. De la société du coin. Ouais. Par contre, va plus y avoir grand monde à la fin, quoi. Après, je comprends son raisonnement, c'est-à-dire qu'elle veut que ce soit vraiment un centre d'objets magiques et qu'elle a besoin d'une grosse quantité d'objets pour démarrer. Après, faire descendre un rang, je pense que c'est une grosse, c'est une menace, mais est-ce qu'elle va le mettre en vigueur
Voilà, si on fait de notre mieux pour lui ramener des choses, c'est déjà pas mal, quoi. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le rang 1, 2, 3, ils sont... En gros, on peut jamais être dégradé du rang 1, 2, 3. On peut être dégradé du rang 4. Alors, on peut dégrader du rang 4, oui. Mais les rangs au-dessus sont plus fluctuants. On gagne des rangs, on perd des rangs, on gagne des rangs, on perd des rangs. C'est quelque chose de plus connu, en fait, au sein de la société. On fait pas que monter au bout d'un moment, mais dès que vous... Bah là, il y a 2, 3, rang 4 dans le groupe. Si vous faites une connerie, vous pouvez être dégradé. Oui. Mais à rang 3, vous serez jamais dégradé. Ok. D'accord. C'est... Bah, parce que le truc, tu vois, c'est qu'elle nous dit un mois, mais là, le temps de partir en Amérique du Sud, on est niqué, le mois, il est passé, quoi. Ah ouais, bah, il y en a même plusieurs qui sont passés. Oui, bien sûr. Après, elle compte sur vous pour que quand vous revenez d'Amérique du Sud, vous revenez... Les cales pleines, c'est ce qu'elle va te dire. Oui, bah, c'est voilà, vrai. Après, je pense ça, il n'y a pas de problème. Genre, si tu pars 2 mois, bah, elle espère que tu reviennes avec deux objets magiques, quoi. Oui, après, voilà. C'est l'idée. Voilà, l'idée du truc, c'est qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour l'enrichissement de la société. En gros, la nana des pirates, c'est ce qui compte pour elle, c'est l'enrichissement. Et par contre, j'ai dû très mal faire passer par rapport au conflit. Mais pour elle, c'est l'isolation de la société. C'est-à-dire, elle va pas du tout... Enfin, dans la mentalité, elle, c'est la société, c'est la société. La Vesten, c'est la Vesten. S'ils nous aiment bien, tant mieux. S'ils nous aiment pas, tant pis. Oui, mais là, ils nous aiment bien, donc tant mieux. Voilà. Oui, non, mais je dis juste... c'est ça, la mentalité qu'elle a par rapport à l'extérieur. Ouais. Mais là... je me suis dit que dans ce principe-là, elle n'allait pas dégrader volontairement les relations avec la Vesten. Non, elle va pas chercher à dégrader les relations avec la Vesten. Clairement, non. Mais les affaires qui regardent la société sont à la société, les affaires qui regardent Lucera sont à Lucera. La Vesten. Exactement. Et elle ne s'en mêlera pas, elle les aidera pas. Sauf si elle a un truc à gagner. Voilà. La deuxième, c'est la bisounours du lot, hein, on va pas se mentir. Oui. Son but, c'est que les gens, bah voilà, ils progressent, ils montent tout doucement et tout. Son souci, c'est que son projet est long terme. C'est-à-dire que, voilà, court terme, il y aura pas forcément beaucoup de nouveaux, beaucoup de machins et tout. Et elle a besoin de gens pour l'aider. C'est peut-être le défaut. Et le troisième, c'était le pire choix. Voilà, Ouais, parce que le troisième en fait, alors j'ai voulu faire ça, mais ils se mettent souvent ils se mettent derrière les trucs de la société et les machins comme ça, bah parce qu'ils savent pas faire. Donc ils disent, non, c'est déjà écrit. Il y a pas de souci. Bah vous l'aviez déjà. En plus, alors sur lui vous aviez déjà eu le secret de Stenrich, hein, que t'avais demandé une enquête sur lui, où on t'avait dit faites attention, il est peureux. En termes de machin, il réagit mal et tout. Et voilà. Donc c'était un peu pour ça. Après, le fait qu'on aime qu'il change rien et tout, il n'y a pas de souci, je veux bien le comprendre. Mais en fait, c'est pas qu'il change rien, c'est qu'il a tellement peur qu'il... Tu vois, s'il se passe un truc... Il n'ose rien faire, quoi. Exactement, il n'ose rien faire. Et le fait de déléguer là où il aimait bien, le fait... Bah, c'est juste pour pas que la responsabilité, ça soit lui. Là où les deux premières, en fait, oui, elles veulent bien qu'il y ait un groupe pour voter, parce qu'on n'est pas... On n'est pas juste bourreau et machin. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'à un moment, elles prennent leur responsabilité sur les deux premières. Ouais. Donc, les deux premières étaient des choix à peu près OK. Et j'avais une préférence pour Akaten, mais c'était moi. Et le troisième, par contre. Et le troisième choix, pour moi, c'était un très mauvais choix. Voilà. Bah, de toute façon, que ça soit dans le message de Lara et je crois celui de Robert aussi. On était d'accord pour dire que c'était un peu un choix pas le plus optimal, quoi, pas le meilleur des choix à faire, quoi. Après voilà, pareil, hein, au début, vu que personne n'a répondu, j'avais dit à Delara, tu veux pas faire une réponse et tout. Elle m'a dit moi si je m'en occupe, en plus j'avais lu et tout. N'hésitez pas, quand je vous mets des pavés comme ça me prend du temps un peu. N'hésitez pas à mettre, je sais pas, des émoticônes. Des trucs, des petits avis, même si c'est pas grand chose. En vrai, ça fait plaisir. Oui, oui. Voilà. Après, j'en ai parlé à Henry, il m'a dit ouais, mais je veux pas influer les gens, nanana. Ok. Mais voilà, n'hésitez pas au moins à en parler, quoi.
Mais voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que le mariage t'a plu. Oui, oui, très content. Et j'espère que vous avez trouvé ça chouette quand même, c'était une petite... Ouais, voilà. C'est sympa. Un petit machin. Je vais voir pour faire des votes pour la semaine prochaine, mais je pense que la semaine prochaine, ça sera la dernière séance de l'année, vu qu'après, il y a Noël, il y a tout ça. Ouais, ouais. Il va falloir que moi, je m'organise, parce que du coup, je pense que je vais peut-être venir en avion. Ok. Sur Lyon. Donc, pour l'aller-retour, faudra que je vois par rapport aux horaires. Pour l'aller, on peut t'amener. Hein. Oui, je sais, mais il faut que je fasse le trajet Bordeaux-Toulouse. Et après, pour le retour, le faire en avion, mais j'aurai la voiture à Toulouse. Donc tu vois, ça va bloquer. Ah oui, 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 ok. Bah si c'est que ça, on peut peut-être aller chercher à Toulouse, à Bordeaux, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça met. Oh, c'est 2h30 quand même, hein, c'est pas rien. 2h30, allez, 2h30. Oui, oui, oui. Bah après tu fais Bordeaux-Lyon, tu fais plus Toulouse, fais voir, je sais pas, je tape juste dans... Ouais, et déjà, prends de Carca, prends pas de Toulouse. Oui. Non, mais c'est une heure de plus quand même. Effectivement.